Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies, going all the way. It's with a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. Not that was another limb to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Beautiful pass. Russell Westbrook. Stolen away by Curry. Oh, what a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is the game for guards. Catch and shoot by Corver. And he's 91% at the foul of his quarter from the other side. Wave. And has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard. Kept alive. So that's why Oklahoma and this organization, the whole state, will be always in my heart. And then the second, I want to say, please beat the Warriors for me. Please, I'll be watching that game, so please beat the Warriors for me. I just want to say, man, I can't thank you enough to you guys. And you guys did everything for me. And lastly, I want to say, just please take care of the Turkish community here, because they love you guys. And that's all I can say right now. You know, I got no hard feelings. Take
don't ride. Working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, you know you like two pennies. Go ahead and go ham sandwich. Oh, I can't stand it. You know what to do, we got the fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. DJ 1010. I'm the truth, so mama, what it do? And let's ride out. Ain't no
need no battery cause I'm in charge. Holla at me, boo. Holla at me, yeah. Holla at me, boo. Holla at me, yeah. Holla at me, boo. Holla at me, yeah. Let's fucking lose it. Yeah. Everybody in the club right now. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Davis, a three. He's doing
fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid. Nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start in the 7 feet. Embiid with the block. Special he can be. You know, with great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid, come three! He's got that range, and he likes to shoot it. Embiid, nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block. Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside. Oladipo blocked from behind. Saric to Embiid. Embiid shoots and scores. 16 for Joel Embiid. See Smith just letting one go. Right off to where he was last year. Gros débile! Ouais, ouais, toi, la tête de veau! C'est bien à toi que je cause! Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote! Mais quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas super souris! Non, Billy! Sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle! Mais non, arrête! C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon! Putain, tu vas pas la fermer? Mais tu te prends pour le Zorro des Blacks! Et on se tire ailleurs, bro! Non, 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 sérieux! Et ton crâne rasé, j'ai un portail dans la bouche! C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là! À l'hôpital! À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balanché! Je te permets! Toi et ta mouche à mer blanche, retournez de ma part au pays imaginaire! Et dites à Peter Parker qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Mais vous êtes des PD, des PD! Mais qu'est-ce que tu branches? Je sais ce que je fais deux choses! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier! Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal! Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais! Ouais, ça c'est la deuxième chose! Vous êtes bien sur Radio of Parquet! La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Bienvenue la famille! Bienvenue à toute la famille du basketball! Merci d'être connectés les amis! Une fois de plus, sur le parquet de la radio. Radio of Basket, Radio Hall of Fame Basket, tout simplement la radio partenaire officielle NBA, les amis.
la radio numéro 1 pour tous les fans de NBA, pour tous les fans de basket, pour tous les fans de cette balle orange à travers le monde. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester. Et comme vous le savez, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul, je suis toujours accompagné de mes partenaires, nos fidèles collaborateurs, nos fidèles auditeurs. Et on va bien entendu commencer par aller du côté du Delaware pour accueillir le détenteur de la bague du King, Pierre Gromme, aka Mopo, en direct sur le parquet de la radio. Bienvenue mon frère, bienvenue Mopo. Ah, bienvenue, salut Afé, salut Messi. Salut. Je suis en poste comme le grand James avec ce qui s'appelle Paquet. Mopo qui est en poste, il n'a pas la super forme, mais il est là, c'est, ça fait plaisir. Non, comme d'hab, le grand James a dit, il a hater everywhere, man. We're looking for y'all, man. That's how le grand James said last night, man. Super, on super. Est on est là, en poste. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe avec Mopo. Et on va aller cette fois du côté de Paris. Vous avez reconnu sa voix. Il s'agit de Missy depuis Paris. Fervent des Lynx du Minnesota ce soir, puisqu'on rappelle que la finale WNBA la a démarré. Dieu, on est dans la finale et tout ça. Et c'est vrai que j'étais triste du premier carton de Minnesota Lynx, mais ça, on peut pas. Rappelle que ça en cours en ce moment, donc vas-y, rappelle le score. Vas-y, rappelle le score, Missy, comme ça tu. Bah attends, je vais juste. Vas-y. Rappeler le score. Il y avait. Elles étaient. Le match vient à peine de reprendre, mais je crois qu'elles étaient à 43 pour les Sparks et 33 pour les Lynx, oui, c'est ça. Mais il faut dire qu'au premier carton, c'était vraiment la Bérésina pour les Lynx. Hein. Elles ont été rapidement prises à la gorge, on peut dire ça comme ça. Avec l'espoir, vous êtes prises à la gorge. Ah, oui. Et petit à petit, c'est surtout dans le second carton qu'elles ont commencé à réagir finalement pour revenir à moins 10. Oui, ça c'est très très compliqué là, pour, pour les Lynx, les Sparks ne les laissent pas respirer. Et comme le dit Missy, les matchs qui viennent reprendre. Vas-y. Le match vient de reprendre, mais il va falloir vraiment qu'elles ne s'endorment pas. Parce que croire que vous êtes les meilleurs, elles attaquent surtout. C'est surtout qu'elles attaquent, elles sont très bonnes défensivement. Oui. Ils se créent les espaces. Et marque les paniers et quand vous les laissez seuls et ben voilà. Et oui, vous en payez forcément vous le, en payez prix. Le prix. Vous en payez le prix et voilà, c'est comme ça que ça se et passe donc, avec l'espace. Moi, pour donc. Vas-y. Comme je ne commence jamais les talk shows pour parler que de basket, moi, j'ai une pensée très pour préoccupé ce week-end. Mmh. Par le pays qui m'a vu naître, hein, le Cameroun. Oui. Ne disons oui. pas que nous ne savons pas. Le Cameroun est au bord de l'implosion. Oui, faut c'est clairement compliqué. Qu'on se le dise. Les régions anglophones, y a deux militaires qui ont été tués, un jeune a été tué. Une voiture se trouve malheureusement que. On connaît la voiture, de celui la personne qui est dont la voiture a été incendiée, c'est un colonel de l'armée dont la voiture a brûlé. Bon, son chauffeur était allé chercher ses enfants et ses enfants n'étaient pas dedans. Il s'agit d'un oncle à moi, c'est son cousin, bref. Et l'émotion est d'autant plus vive que dimanche, une bombe artisanale. On a vu ça sur les réseaux. Les dépôts de pétrole au niveau du carrefour Agi, qui est non loin du marché Mbopi. Ce que je veux dire, dans ces pays anglophones, ma cousine y étudie. Oui. Elle n'a pas pu donc faire sa soutenance l'année dernière pour avoir son master. Oui. Donc les étudiants relèvent déjà d'une année une année blanche. D'une année blanche, on entre dans la deuxième année blanche. On sait que chez nous au Cameroun, le sport est en majorité pratiqué dans les dans
dans ces collèges et ces lycées où il y a les tournois de collège, les intercollèges, les interlycées, les machins et tout ça. La politique impacte toujours toute la vie, le sport y compris. Il est question que nos dirigeants ou ceux qui représentent le pays se mettent autour d'une table pour évoquer le cas de ces enfants, tous ces enfants qui ne fréquentent pas la jeunesse, c'est le futur de demain. C'est bien. Et en tant que Camerounais, on ne peut pas se dire qu'il y a une partie de la jeunesse qui est bloqué par un conflit et ne fréquente pas et le conflit dort et à un moment c'est difficile c'est très difficile. Merci Missy, vraiment c'est bien de penser d'avoir cette pensée pour ces personnes et ça nous permet de se joindre à toi. Nous ne savions pas. Exactement, ça nous permet de nous joindre à toi, bien entendu. Maintenant, on en parle. À toutes les personnes qui sont touchées par tous ces soucis du côté de l'Afrique. On en parle, mais nous vivons en Europe, donc on a cette antenne aussi. Quand on peut être voir pour dire que les choses ne vont pas, c'est bien. Ils doivent s'améliorer, oui. C'est bien. Ouais, c'est bien Missy. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, on se joint vraiment à toi pour adresser toutes nos pensées à toutes ces personnes on espère vraiment que les choses vont aller on espère que les choses vont aller dans le bon sens pour le bénéfice de tous. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show, les amis. Vous l'avez compris, flash NBA, flash basket. Nous sommes en train de suivre en direct le match 1 de cette finale WNBA. Vous l'avez compris avec Missy qui en a parlé un petit peu de ce match avec les Sparks qui affrontent donc les Minnesota Lynx. Le troisième carton qui a démarré depuis quelques instants. Il reste 8 minutes à jouer dans ce troisième carton et les Lynx qui remontent tout doucement au score. 37 pour les Lynx, 43 pour les Sparks. Il semblerait qu'elles vont tomber en moins 5 parce que rien ne laissait présager ça au début de match. Ouais, ça c'est sûr. Elles ont été largement dominées et prises à la gorge dès le début. Ça c'est sûr. Donc quoi qu'il en soit, on garde le fil rouge de ce match. Hein, comme ça me permet de le dire. Mais si tu n'hésites pas à me couper, si tu as un truc, si tu vois un truc qui t'oblige à intervenir, tu n'hésites pas à me couper et puis tu nous racontes ce qui se passe. Oui, je profite de que ce match se déroule. Ouais. Pour faire une dédicace à Manu de Manu, voilà. Ouais, big up à Manu. Notre fidèle auditrice, Manu de Manu, big up à toi, c'est bien. C'est bien de penser. Avec elle, ces derniers temps, ah, d'accord. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Une fervente supportrice de la radio et une fidèle auditrice, on est toujours très heureux de savoir qu'elle nous écoute et qu'elle nous soutient aussi. Venir aussi nous bavarder avec nous. Bien sûr. Sur le chat, se connecter, voilà. Ça pour être une. C'est une fervente. Une fervente. Passionnée. Passionnée des cartes de LeBron James. Ouais, on lui envoie notre big up à Manu de Manu. Allez, big up à toi. Allez, pour le programme de ce soir. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question tellement elle est fan très très forte. Entre elle et Billy, il y a vraiment match. On ne sait pas lequel des deux. Il y a match. Allez, on fait le point sur le programme de ce soir. Vous le savez, un gros programme NBA encore en perspective. Vous le savez aussi. Pour ceux qui suivent les réseaux depuis un certain temps, depuis un moment, vous savez que la Ligue, les camps qui vont démarrer à partir de la semaine prochaine, les Media Day qui ont aussi démarré, notamment cette semaine avec les Warriors et les Timberwolves, et bien entendu les mouvements qui ont continué à intervenir tout au courant de ces dernières heures. Donc on va un peu faire le point là-dessus. On fera aussi le point sur le gros dossier de cette semaine. On n'oublie pas le gros dossier de cette semaine, le dossier Melo à Oklahoma City.
ce dossier qui a secoué la planète NBA. Mais au final, c'est venu dans les plans. Oui. On en avait parlé, on pensait qu'il pourrait, enfin, moi je pensais, puisque les dernières news pensaient, les dernières sources parlaient d'un possible deal avec les Blazers, hein, mais comme on le sait, l'NBA a cela de particulier qu'elle nous réserve toujours la surprise du chef, on va dire ça comme ça. La surprise du chef. La NBA a toujours une histoire. Une belle histoire à raconter. Voilà, donc. Ouais, effectivement. Donc, Carmelo à OKC, c'est fait. Donc, on va un peu faire un petit dossier. On va un peu commenter ça. On va un peu voir les aboutissants, tout ça. On va un peu analyser tout ça. Et puis, on va aussi un peu. Oui, vas-y, Missy. Vas-y, tu veux dire quoi? Augustus commence à en mettre dedans. Ah oui, ça commence à rentrer pour elle. Ça commence à rentrer. Ouais. J'avais expliqué que les finales se joueraient sur elle. Ouais. Augustus Dedelings qui a. Elle est à 7 points pour l'instant en 18 minutes, Simon Augustus. Elle vient de marquer là. Quasiment 2 paniers, 1 de 3, 1 de 2. Ouais. J'avais dit que les finales se joueraient sur elle et. Ouais. Pour l'instant, on peut le dire, hein, la meilleure scoreuse du côté du Minnesota, c'est Maya Moore qui a 17 points. Sylvia Force en deuxième avec 11 points. En ce moment, l'avance est revenue à 10 points, comme quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont d'ailleurs un peu de temps mort et oui. On continue de suivre ça en fil rouge. Il y a encore de scorer un 2 points là. Et avec les Lakers, ça monte vite. Ça monte très vite et ça me permet de donner les stats des Sparks aussi. On a Candace Parker, Odyssey Sims à 16 points, Candace Parker à 15 points et Chelsea Gray à 13 points. Ce sont les trois meilleures scoreuses. C'est les trois seules joueuses qui ont dépassé les 10 points dans cette équipe. Hein. Oui, mais c'est vraiment la petite Odyssey Sims là, elle est très bien. Elle est très bien, pourquoi? Parce qu'elle est rapide. Elle est très rapide, cette joueuse. Et elle vous laisse sur place, en fait. Et petite de taille. Mais vous faites pas. Je pense que sur 100 mètres, si vous courez à 100 mètres avec elle, elle vous largue. Elle vous lâche très vite. Hein. Elle vous largue très vite. Allez, on revient très vite avec la suite du direct. Là. Et bien entendu, le fil rouge de ce match 1 de cette finale WNBA entre les Sparks de Los Angeles face aux Lynx du Minnesota. C'est dans moins d'une minute. On lâche quelques préalables et on revient à tout de suite, les amis. Allez. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vang a le ballon. Il feinte le défenseur, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime! Le dunk de Xiao Lan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. We'll be right back.
Allez, c'est parti les amis, on enchaîne avec ce direct NBA Flash Basket sur le parquet de la Radio Off. On vous l'a dit, une émission spéciale Flash, puisqu'on suit en fil rouge le Flash, pardon, on suit en fil rouge ces matchs 1 de cette finale WNBA qui oppose donc les Sparks aux Lynx du Minnesota. Et on le rappelle aux auditeurs, les Sparks qui ont repris de plus belle, hein, 11 points d'avance, hein, 60 pour les Sparks, 51 pour les Lynx, Missy, 54 maintenant pour les Lynx, donc les Sparks qui ne vont pas lâcher, elles vont pas laisser l'affaire, hein. Non. Tu l'as dit tout à l'heure, off, un manque de production du jeu, tu peux le dire. Le problème, on les connaît, celles qui vont faire gagner les Lynx. Les Lynx, oui. Il faut qu'elles soient. Elles sont serrées. Sylvia Foles et. Donc Chabien commence. Et Maya Moore. C'est pas Maya Moore, c'est Mona Augustus. Non, c'est Mona Augustus, oui, qui a 10 points, oui, pour l'instant. Elle a 10 points, mais regardez quand est-ce qu'ont été marqués ces points. Oui. Dans la deuxième mi-temps, ils ont besoin d'elle. Parce que elle, vous savez pourquoi elle est. Pourquoi c'est elle? Pourquoi? Parce qu'elle a un high jump shot. Très bon jump shot, oui. Au niveau du. Quand elle prend un saut, elle a une extension. Qui est beaucoup, elle a une extension au niveau du saut qui est beaucoup plus important. Oui. C'est-à-dire que déjà, quand elle va prendre un saut, elle va sauter plus haut que le défenseur. Oui. Déjà en difficulté quand elle prend un bon. Très fort au bon jump shot, oui. Un jump shot est excellent. Un jump shot, elle va vous mettre en problème. En tout cas, les Sparks qui sont bien décidés à ne pas lâcher leur avance. Hein, 62 pour les Sparks, 54. Pour les Lynx. Oui, mais elle lâche pas parce qu'en fait, c'était. Deux minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Il reste deux minutes à jouer, Missy. C'est un change de panier qui se produit. L'échange de panier n'est pas possible. C'est compliqué. Possible. En plus, elles n'ont pas de chance. Elles prennent des tirs bien, mais ça ne rentre pas dedans. Ouais, effectivement. Que quand vous prenez un bon shoot dans un fauteuil, il faut qu'il tombe dedans. Effectivement. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, un bon tir bien pris ne tombe pas dedans. Et ça vous pénalise. Et c'est c'est compliqué pour les Sparks, mais on peut non, légitimement parce que c'est compliqué garder légitimement garder un espoir pour la suite de ce match. Hein, on va voir la suite. Allez, on enchaîne, on garde bien entendu le fil rouge, on enchaîne avec le Twitter NBA Show. On commence bien entendu par quelques big up. Alors là, le premier big up pour ce début de talk show, une pensée pour Enes Kanter. Enes Kanter, le nouveau joueur des Knicks de New York, il faut le rappeler, Enes Kanter. Alors une pensée pour Enes Kanter. Alors pourquoi? C'est parce que alors vous avez suivi bien entendu l'info avec le trade de Carmelo Anthony du côté de Oklahoma City contre Enes Kanter. Alors j'ai oublié le nom du deuxième joueur, je reviendrai sur l'info plus précisément tout à l'heure et on va vous donner tous les détails, mais je voulais quand même préciser que je sais pas si on doit dire le pauvre Enes Kanter, non, j'ai pas envie d'utiliser cette expression là, mais quand même c'est quand même un joueur qui a quand même apporté qui a quand même une il a quand même la particularité d'avoir été quand même accueilli hein, par cette franchise d'Oklahoma City. On se rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas qu'il a quand même eu des déboires hein, avec son pays la Turquie. Oui. C'est la Turquie hein, c'est ça hein, la Turquie. On rappelle qu'il avait même été menacé de mort. Oui, hein, il s'était exprimé un peu, on va le dire comme ça,
un peu comme le font les, tous ceux qui peuvent parler librement aux États-Unis, hein, comme les LeBron James et les Curry qui peuvent s'exprimer un peu partout dans le monde, dans, dans, on va dire dans les mondes entre parenthèses démocratiques, on va dire ça comme ça. Enes Kanter s'était exprimé un peu en, contre son sur le gouvernement turc et il avait été fortement menacé. Et on rappelle que même sa propre famille, entre parenthèses, il y avait des news comme ça qui tournaient sur le réseau qui racontaient que sa propre famille s'était entre parenthèses détournée de lui, on peut dire ça comme ça. Donc il était désolidarisé, voilà, c'est le mot que cherchait Misty, désolidarisé de lui. Et il s'était quand même senti seul, hein, on peut dire, hein, quand même ta famille ne te soutient pas. Il est seul. Donc ok, si le Thunder. Vas-y mon pote, tu disais. Sa nouvelle famille, c'était OKC. C'était vraiment sa famille, Oklahoma City et le Thunder. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque Kevin Durant s'était entre parenthèses permis de les critiquer, il n'a pas hésité à monter au créneau pour dire que Kevin Durant la façon dont il les critique, lui il les appelle une famille. Voilà, c'est ces quatre personnes que tu appelles quatre. Moi, je les appelle une famille. Donc, c'est une franchise importante pour Enes Kanter. Et donc, il a réagi après son transfert. Il a délivré un message très passionnant, enfin très intéressant, très altruiste pour remercier OKC. C'est toi qui as parlé, j'ai pas compris. Oui, je t'ai dit que le message était très poignant, mais oui. Désolé. Oui. Quand même, il dit quelque chose, désolé, quand même, il s'est rendu compte que... On l'écoute alors et après tu réagis? Parce que je voulais qu'on l'écoute un peu. Ok, vas-y. Hein, on écoute Enes Kanter rapidement et après on revient, après on écoute la réaction de Mopo et de Missy par rapport à Enes Kanter. A tout de suite. You guys gave me that, and you guys gave me home. So that's why Oklahoma and this organization, the whole state, will be always in my heart. And then, the second, I want to say, please beat the Warriors for me. Please, I'll be watching that game, so please beat the Warriors for me. I just want to say, man, I can't thank you enough to you guys. You guys did everything for me. And lastly, I want to say, just please take care of the Turkish community here, because they love you guys. And that's all I can say right now. I got no hard feelings. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau! C'est bien à toi que je cause! Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. À quoi tu joues, mec? Au fait, ouais, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Mais non, c'est marrant, mais t'as le brin au Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Hein. Et ton crâne rasé, c'est un portable dans la bouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à merde blanche, retournez de ma part au pays imaginaire! Et dis capitaine Park, il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal! Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais! Ouais, ça c'est la deuxième chose! Vous êtes bien sur Radio Off
parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Voilà les amis, on enchaîne reprise du direct. Hein, vous avez entendu donc ce message de NS Canter. Alors, ce qui m'a amusé dans ce message, c'est qu'il garde toujours son humour. Hein, il le dit, il envoie un message à ses ex-coéquipiers en disant s'il vous plaît, please, please, n'oubliez pas de battre les Warriors. Pour moi, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer d'entendre ça. Alors, Mopo qui réagissait sur NS Canter et après Missy. Vas-y, Mopo, qu'est-ce que tu voulais dire sur NS Antoine est un très bon joueur, loyal, humble, mais il s'est rendu compte que dans le sport, il n'y a pas de loyauté, en fait. Oui. Quand tu vois la décision... Business is business. Yeah, business is business, je comprends. Maintenant, tu vois, tu te rends compte que les LeBron James, les Kevin Durant ont le droit de partir, ils ont envie de partir. Parce qu'à la fin de la journée, quand c'est le GM qui veut te couper, il veut te vendre pour son propre, tout un peu, non, pour ce qu'il veut. Oui. Il le fait sans déboire. Regarde un gars qui était loyal, qui reste loyal même après être coupé déjà. Bien sûr. On va pas dire couper. Mm-hmm. Parce qu'il reste jusqu'à présent et dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez taper Golden State Warriors? Tu vois un peu plus sens, c'est du poids de Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Mais c'est comment tu réagis quand tu parles d'un escanteur, quelqu'un qui. Non, après, bon, maintenant, lui, là où il a eu beaucoup de soucis, c'est que c'est un pays où il ne vivait plus et il se mêle de la politique. Bon, c'est pas facile pour l'heure en Turquie. C'est vraiment pas facile. En Turquie. Il faut, politiquement, partout, c'est pas facile. Alors justement, mais si tu vas garder la main, tu gardes la main parce que justement, on va un peu, c'est vrai qu'on n'est pas une radio de politique, on est une radio de sport, mais par rapport aux opinions des athlètes, on est parfois obligé de frôler, de marcher aux limites de ces lignes politiques. Alors. Alors, Missy, tu avant réagis. Avant que tu n'interviennes. Vas-y. Que je vais juste dire. Oui. Il y a une hypocrisie rayonne qui est en train de dire que les sportifs ne doivent pas se mêler de la politique. C'est des citoyens comme tout le monde. Dans ce cas-là, retirez-leur le titre de citoyen. De citoyen, ça c'est sûr. On les aime bien quand ils font les actions caritatives. Mais on veut pas les entendre parler. Mais les actions caritatives, c'est de la politique aussi. Bien sûr. On veut pas les entendre prendre position. Alors justement, à propos de prendre position, on revient pour ceux qui ont suivi un petit peu les derniers échanges sur les réseaux entre la Maison Blanche et la NBA et bien entendu les Warriors. Vous savez ce qui s'est donc passé avec la déclaration de Donald Trump, hein, Donald Trump qui avait réagi dans les médias en précisant, alors vous me corrigerez si je dis une connerie, mais je crois bien qu'il a réagi en précisant que si Stephen Curry et ses coéquipiers hésitent à venir à la Maison Blanche, donc il n'y aura tout simplement aucune invitation officielle pour les Warriors. Alors bien entendu, hein, cette réaction du président américain a donc fait jaser Donald Trump, qui n'en est pas à sa première tentative, hein. C'est un coutumier de ce genre réaction, et bien entendu beaucoup de personnalités se sont donc exprimées. Donc une là comme ça, je voulais qu'on adresse un big up à Magic Johnson, et Magic Johnson qui a tweeté je soutiens les Warriors dans leur décision, je soutiens les Warriors et je soutiens bien entendu les propriétaires, les joueurs et tous les fans. Et je vous donne aussi une déclaration de Kenny Smith, à qui on adresse aussi un gros big up ce soir, qui a dit quelqu'un qui proteste dans la non-violence ne doit pas être considéré comme une menace
pour son pays, hein, mais son geste doit être considéré comme un geste intelligent et sage. Alors moi, j'ai aimé cette phrase de Kenny Smith et Magic Johnson. Missy, comment tu réagis alors à tout ça? Je veux dire aujourd'hui que l'Amérique est toujours guettée par ces vieux démons. Oui. Si on reprend l'histoire de l'Amérique, dès que le basket vont commencer un peu à se faire connaître, vous avez les joueurs comme Bill Russell et tout ça qui ne pouvaient pas entrer dans les hôtels. Ça fait 60 ans seulement. C'est pas si vieux que ça. C'est 60. L'Amérique sera toujours guettée par ses démons. Et Donald Trump, en tant que chef d'État, doit pouvoir comprendre que il n'a pas été élu par l'ensemble de l'Amérique. L'ensemble d'un pays ne vote jamais pour quelqu'un comme un seul homme. À moins qu'on soit dans un pays où on sait très bien que c'est normal qu'il y ait toujours de l'opposition, ça fait partie de la démocratie. Manipulation électorale dans ces pays-là, on se dit on voit les résultats, on s'étonne même pas parfois. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était le président avant même son élection, il provoquait l'animosité, il était censé rassembler le peuple américain. Ces déclarations ne sont ni de nature à rassembler personne, mais plutôt à diviser. North Carolina, qui n'avait pas décliné l'invitation Maison Blanche, eux aussi, donc ils ont proposé des dates à Donald Trump, qui les a toutes refusées. Il n'avait pas de place dans son agenda. On suppose aussi que c'est parce que leur coach a dit que tout ce qui sort de la bouche de Trump est stupide. A-t-il des conseillers? Il faut vraiment que sa communication soit reprise en main. En tout cas, si on suit un peu la politique, on voit qu'il est viré à chaque fois. Vas-y, Missy, vas-y. Un président des États-Unis qui est capable de traiter certains athlètes de fils de... C'est compliqué. Maintenant, la réponse de Steph Curry, elle-même, elle est bonne. L'organisation des Warriors, ils ne vont pas à la Maison Blanche. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils n'étaient pas invités, d'ailleurs. Invités, donc ils ont été désinvités sans être invités. Effectivement. C'est assez spécial. C'est que Steph Curry a émis des réserves. Ce n'est pas la première fois que ses réserves quant à sa participation à la Maison Blanche sont émises par Steph Curry. Kevin Durant l'avait lui-même dit et aussi. Et d'ailleurs, on entend donc le président de la Ligue avait souhaité qu'ils y aillent. Et finalement, aujourd'hui, il est forcé de constater que Trump n'est pas bon. Il n'y a même pas d'invitation, donc tu peux même pas décider si tu y vas ou pas. Le problème, c'est que ça paraît comme s'ils étaient invités. Président de la Ligue, Adam Silver, il s'est exprimé il a salué l'impact des joueurs dans la vie locale, bien sûr, la société. Il a fait son discours, bien sûr. Ce qu'il peut faire. Et Steve Kerr s'est aussi exprimé. Il a dit, nous n'avons pas besoin de racisme. Missy, écoutons Mopo. On va un peu écouter son sentiment par rapport à ça. On rappelle Mopo qui vit les choses de très très près. Alors Mopo, la société américaine, c'est pas facile tous les jours. Bobo, vas-y, exprime-toi. Comme a dit Missy, c'est vrai, il n'a pas son unanimité, mais n'oublions pas, gars. Donald Trump, c'est un peu comme un multimilliardaire qui s'est acheté un palais de luxe et qui oublie tout un peu, non? Il a tous ses rêves refoulés, tout un peu, non? C'est un peu ça. Il ne représente pas les low class qui va venir faire un peu, tout un peu. Quelque part, c'est vrai qu'il a des réformes qui sont bien.
Il y a d'autres formes qui sont à côté. Tu veux un peu, non, mais c'est Jeff Sordes. Il n'est pas, comme on dit, il n'est pas présidentiable. En fait. Il travaille mal, n'est-ce pas? C'est juste qu'il y a certaines choses qu'il fait. Tu vois, quand tu étais petit au lycée, tu dis que non, demain, si je deviens riche, je vais insulter trois personnes, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu veux un peu, non? Donc, quelque part, c'est ça, Donald Trump. Et tu es un président de la République qui tweet même plus qu'un athlète. Parce qu'on ne sait pas à quel moment tu es supposé être le chef suprême des armées de la première, l'une des plus top puissances. La première puissance du monde. Oui. Et aujourd'hui, tu te retrouves en train de clasher la NFL, la NBA, tu clashes. Tu clashes tout. Tu clashes tout le monde. Tu clashes même la NBA, tu n'oublies pas. C'est vrai. N'oublie pas. Un peu, n'oublie pas que depuis le bon James avait précisé son mécontentement là-bas. Ce n'est pas seulement Steph Curry. Je rappelle, non, ça a dit bien sûr. Il a réagi à ça aussi. Avant, voilà. Avant, même quand il gagne les élections, le bon James a dit, comme il a gagné, il ne va plus jamais mettre ses pieds à la Maison Blanche. Le bon James avait dit déjà cela. Et tous les athlètes, après le tweet de Donald Trump, les Kobe Bryant, tout le monde, chacun a voice top, les CP2. Ils ont stand together. Oui, dans la fin de la journée, ils se sont rendus compte que quand on est sportif, on a plus. Les sportifs ont un peu voice top, tu vois un peu, non? Michael Jordan qui reste dans son coin et gère ses dos. On a une voix qui porte high, tu vois un peu, non? Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le footballeur américain qui aujourd'hui est coupé des équipes NFL parce qu'il a refusé de se lever pour suivre l'hymne national. Cela part de Donald Trump. Aujourd'hui, tu te rends compte, certains gars sont cas, oui, ils ne veulent pas être ambiant, ce que le gars fait. Aujourd'hui, le gars se retrouve à être chômeur, or qu'il était travailleur. Tu vois un peu, non, mais on sort les raisons que non, il n'est plus ennemi, il est mouilleur, un gars qui a fait la NFL vibrer. Donc aujourd'hui, c'est ça, en fait. Et c'est ça, en fait, Golden State Warriors et Steph Curry qui est la bleu. Number one voice speaker là-bas, tu un peu, non? Donc, quelque part, c'est un peu ça. Et comme j'ai bien dit, c'est. Il n'est pas présidentiel. Il ne connaît pas mal à son peuple. C'est comme ça que ça se passe avec Donald Trump. Allez, on va enchaîner. On peut enchaîner, non? On passe à autre chose. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le problème avec les journalistes sportifs, ESPN et tout ça. Il va falloir dire clairement que les gens ont-ils le droit de s'exprimer ou pas. Aux États-Unis, il y a quand même un amendement qui dit que la liberté d'expression ne peut pas... lui y compris, puisque lui il parle. Bien sûr. Allez, on va enchaîner, les amis. Voilà pour cette petite page politique. On va enchaîner avec la suite le match. On rappelle le match 78 pour les Sparks, 70 pour les Lynx. Mais ici, il reste 3 minutes à jouer dans ce quatrième quart. Quand les Sparks qui se dirigent vers une première victoire, il ne faut plus encaisser de panier. Ah, ça va être compliqué. Moi, je vois les Sparks gagner ce premier match. Hein, honnêtement, sauf miracle, je ne vois pas. 72, elle revient. 72, elles sont à 72, elles reviennent à 10 points. Alors, on continue. À 6 points. Hein. À 6 points, oui. C'est ça. Pourquoi pas? Faut garder espoir avec Missy, y a pas de souci. Allez, on enchaîne. Missy qui nous garde le fil rouge. Un dernier big up pour John Wall. John Wall qui a été introduit au Hall of Fame du Kentucky. Il a réagi en disant qu'il était honoré. Il a réagi à 2 heures en disant qu'il était très honoré d'avoir été introduit au Hall of Fame du Kentucky pour l'année 2017. Hein, ça aussi. Ça fait plaisir pour John Wall et pour Kentucky aussi. Allez, on enchaîne. Il avait eu le titre ou pas, je crois. Il avait gagné le titre NCAA, John Wall, avec DeMarcus. Je crois qu'il jouait avec DeMarcus à l'époque. Avec Kentucky, ils avaient gagné. Je pense qu'ils avaient gagné le titre. Ils avaient gagné parce qu'il a joué une année. Parce que je me rappelle, on joue les AAU contre eux. Parce qu'on parle université au même moment. On joue le AAU en 2009. Ouais. Et en 2010, on parle l'université à la même période. Il part à Kentucky. Mm-hmm. Je pense que l'année là, ils sont allés au championship. Je pense qu'ils ont gagné. Je crois qu'ils avaient gagné. Je crois
parce qu'il a fait une seule année au collège, en fait. C'était du début. Parce que je me rappelle bien. Parce qu'il fait un an et pas l'année qui suit. On aura l'occasion de revenir encore bien sûr sur les détails de l'info. Donc big up à John Wall et à Kentucky. Allez, on enchaîne international. John Wall qui a soif de reconnaissance en NBA. C'est un psychotique de la reconnaissance pratiquement. Petite expression de John Wall. Vas-y. I want to thank you, my mother, because you don't want to talk to me every time. Ah, mon faux. Without her. Il a fait comme Kevin Durant, quoi. You are the real MVP. He cried even better than Kevin Durant. Il a fait la cry better. That dude was making a move. John Wall, c'est un joueur qui a soif de reconnaissance dans sa carrière. C'est un peu difficile pour lui quand même. Hein. Allez, on va enchaîner. En tout cas, bien sûr. Pour rapidement, c'est juste pour préciser quand même que c'est les gars qui viennent de la vie difficile, en fait. Tu vois, c'est vrai. Les gars qui traversent cette étape-là où il faut, comme on dit, I need to grind for my family. Tu vois un peu, non? Il a c'est pour sa famille, c'est pour sa maman. La maman travaillait, comme on dit, 9-5. Tu avais dit de 9h, c'est 9h, 17h. Tu vois, les extras, là, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a, quand il a dit, il a un gros mention, quand il a un gros palais, c'est pour sa maman. Quand bien sûr. Tu sais qu'un jour, c'est même pas trop pour un gars. C'est parce que le plaisir, c'est de jouer au basket. L'argent, juste, n'est qu'un plus. Le plus de l'argent, là, ce n'est que pour la famille. Prendre soin de la famille, oui. Ça, gars. L'argent, pour eux, ce n'est pas trop. Tu regardes bien le Bond James, regarde bien. Le Bond James est tous dans les investissements futurs. Ce n'est pas pour lui, c'est pour ses enfants, en fait. Sa maman ne manque de rien parce qu'il sait une chose. Tant qu'il jouera, il passe à 15e saison. Disons que chaque saison il garde que 15 millions de dollars passés, que c'est son bénéfice qu'il garde chaque saison, c'est qu'il au moins a 200 millions de dollars, tout un peu, non, 300 millions gardés. Mais là, si on commence à investir et qu'il tourne sur le capital d'intérêt, on me parle dans la finance, et désolé à ceux qui connaissent un peu les finances, tu peux voir un peu ça s'approche. On a envie d'aller des équipes de football en Europe où il est actionnaire majoritaire à gros parties. On connaît qui a écoutons Missy, vas-y Missy, dis-nous. 78, 74 à 2 minutes de la fin. Mais c'est qui veut nous mettre un peu de suspense, hein? 78, 74. Ah oui, 76 maintenant, Missy. 76 maintenant. Ça vient à 2 points, Maya. 2 points d'écart maintenant. 2 points d'écart entre les Lynx et les Sparks. Il reste 2 minutes à jouer dans ce 4ème carton. Donc il y a de l'espoir. Égalité. Missy en mode. Elle est en mode quoi, Mopo? Hein? Elle est en mode. Shalom Bernard, salut. Tu as la mode Shalom Bernard, comment me coche moi ici? Je suis le parquet de la top. Vas-y, fais-toi plaisir, y'a pas de soucis. Ils ont 70-70. Égalité, hein? Égalité maintenant. Il reste 1 minute 33 à jouer dans cette. Ah, elles ont la balle pour passer devant. Ouais, vas-y, est-ce qu'elles vont passer devant? Non, Augustine vient de rater un panier. Oh là là, c'est pas facile. Il vient d'être sifflé, c'est pas un mot. Voilà. Ah, mon bon. Excusez-moi, les amis. Missy qui est bien parti là pour prendre le fil rouge de ce suspense qu'elle nous fait vivre depuis le Minnesota. On va appeler notre ami des récits. Les filles, ce qu'il y a à rappeler sur tout ça, c'est que les filles jouent très très bien au basket. Oui, ça c'est sûr. Avec elles, on se rend compte qu'elles possèdent en fait. Ce que tout le monde voudrait posséder en tant que basketteur, c'est les fondamentaux. T'as mort demandé par le Minnesota. Le problème qu'avait Minnesota Lynx, c'est aussi la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, oui. Le jeu. Et oui. Mayamour, elle n'est pas contente de cette faute qui a occasionné deux lancers francs, malheureusement. Les Sparks en ont raté un. Ouais.
Donc, je ne veux pas être dans ce Money Time pour savoir qui va perdre. Hein. En tout cas, elles se sont vraiment bien, bien battues pour monter au score à Celtics du Minnesota. Elles se sont battues parce qu'elles se sont bien jouées. Ouais, effectivement. 79, 78 pour les Sparks. Et donc, au vu de ce premier match, les séries vont être disputées. Ça va être très, très disputé. Hein. On les voit facilement. On va avoir des belles finales comme l'année dernière. Ça, c'est sûr. Mais les Minnesota et les Lynx avaient eu un meilleur démarrage l'année dernière. Avant de se faire coiffer au poteau. Donc voilà. Allez, on va enchaîner. On continue à suivre le fil rouge avec Misty. Il n'y a pas de souci. On fait le point sur les dernières infos qui sont tombées il y a quelques heures. On va d'abord commencer, bien entendu, par aller du côté du Thunder. Bien entendu, on refera un dossier, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, sur ce trade qui a envoyé Melo à Oklahoma City pour former ce nouveau Big Three, hein, donc Melo, Paul George et Russell Westbrook. On vous fera un petit dossier dessus, mais je voulais qu'on fasse le point. Il était vraiment temps. Alors on va d'abord faire le point sur les toutes dernières infos. Je voulais préciser concernant le Thunder, puisque le Thunder après avoir acquis Melo, ils avaient réussi à un deal avec l'arrière Trey Burke qui devait donc rejoindre Oklahoma City et finalement il a changé d'avis, hein. Il a tout simplement changé d'avis. Alors, on pensait qu'il avait trouvé un accord avec OKC et il a finalement décidé selon le Vertical, il a décidé de ne pas rejoindre Oklahoma City et les motifs de sa décision n'ont pas été communiqué pour l'instant. On rappelle que le contrat qui lui avait été promis n'est pas garanti et Trey Burke devait se faire une place au sein de l'effectif du Thunder pour le training camp. On rappelle que c'est un joueur qui avait été drafté à la 9e position en 2013. C'est un ancien joueur du Jazz Utah et des Wizards de Washington. On rappelle que du côté de la NCAA, il était aussi pas mal comme joueur, hein, mais du côté de la NBA, ça n'a pas suffi. Un fil rouge du côté de la WNBA avec Missy. Oui, vas-y, Missy. Les Minnesota Lynx ont deux lancers francs. Oui. Pour passer devant, c'est Sylvain Pauls qui les a tirés. Elle en a laissé un. Elle en a laissé un. Égalité. 79 partout. 1 minute 16 à jouer dans cette finale. Il reste 1 minute à jouer. 1 minute 16 à jouer. Est-ce que les Lynx vont pouvoir arracher ce premier match aux mains des Sparks qui menaient, on rappelle, hein, ils étaient encore à 10 points d'écart. Il y a encore 3 cartons. On est en train de remontrer la fin de match qui leur a donné le titre. C'est cette fin de match qui continue à peser, hein, sur la tête de l'histoire de ces joueuses. Ils sont en train de remonter pendant le temps mort. Allez. Donc je termine pour faire le point sur cette info concernant Trey Burke qui ne va pas rejoindre Oklahoma City. Il va probablement passer soit par la G League ou bien peut-être qu'il ira en Europe. On ne sait pas encore ce qu'il en est pour lui. On attend d'en savoir plus. Alors, comme Oklahoma City, on reste à Oklahoma City pour préciser que, étant donné qu'ils n'ont pas pu avoir Trey Burke, ils ont donc conclu. Ah, un autre fil rouge avec Missy. Panier des Sparks. Les Sparks qui mènent 81 à 79 face aux Lynx. Il reste 59 secondes à jouer. Les Sparks se dirigent vraisemblablement vers une victoire, comme on l'avait pensé. C'est les seconds couteaux qui vous font gagner. Qui vous font gagner, oui, effectivement. Qui fait très très mal au Minnesota League. C'est Chelsea Gray. Mais elle a toute la puissance. Chelsea Gray qui a 25 points.
C'est la meilleure scoreuse, c'est la meilleure joueuse d'ailleurs de ces Sparks en ce moment. 34 minutes de temps de jeu, 25 points, 5 passes, 3 rebonds, une interception pour Chelsea Green. C'est la joueuse qui fait pas beaucoup de bruit, mais drôlement efficace. Ouais, c'est elle qui fait mal. Elle fait mal au Minnesota Lynx ce soir, Chelsea Green. Elle fait mal aux grandes là de Minnesota Lynx. Eh oui. Sylvia Cole. Oui. Là c'est le. Alors là, c'est pas le... les bourses sont pourtant très bonnes dans les statistiques. Ouais. Ah, les Lynx qui sont devant, Missy. Les Lynx qui sont devant d'un point, 82-81. Elle a marqué un panier à 3 points. 82-81. Est-ce que les Lynx vont arracher ce match? Mais Missy, il ne faut pas reporter le match là comme les Bamenda. Ouais, moi j'étais sûr que les Sparks allaient l'emporter, mais les Lynx qui nous font douter là sur ce premier match. Elles font douter parce qu'elles ont cette capacité. Les Sparks qui sont repassés devant d'un point. 83-82, il reste 26 secondes à jouer. Hein? Ah, mais le Lynx, que ce soit les Minnesota Lynx ou les Sparks, elles ont cette capacité à gagner contre tout le monde. Même si elles sont menacées et dominées, elles arrivent toujours à gagner. Elles arrivent, les deux. C'est 26 secondes à jouer. 26 secondes à jouer, juste le temps ici d'accueillir le Doc One P qui est avec nous sur le parquet. Le Doc One P, bienvenue le Doc pour ce NBA Flash Basket. Bonsoir tout le monde. C'est quoi le Doc? Oui, je passais par là. Tu nous fais un petit coucou, ça nous fait plaisir. Vu que c'est sûr que l'actualité est chaude là et que vous êtes dans l'ambiance. Eh oui. Ça nous fait plaisir, le Doc. On est dans l'ambiance avec les Lynx qui veulent arracher cette victoire. On rappelle que les Sparks ont mené tout au long de ce match et les Lynx qui sont remontés pour accrocher l'égalisation à toute fin de match. Et rendez-vous compte, c'est dans les dernières secondes. 18 secondes à jouer. Dans les dernières secondes que les Lynx se passent pour la première fois en tête. Oui. Et les Sparks, ils sont à 83 pour les Sparks, 82 pour les Lynx du Minnesota. Il reste 13 secondes à jouer. Le match qui tire vers sa fin. Et Miami, les Sparks, un panier tout fait. Oh là là. Oh là là, les Sparks, c'est compliqué pour cette équipe des Sparks. Les Sparks qui s'accrochent, elles vont pas lâcher ce point. Vous avez beau être bon et finalement, c'est le panier qui est le plus important que vous ratez et qui vous fait perdre. Eh oui, il y a 13 secondes à jouer avec. Il y a une faute qui a été commise. Donc, c'est les Sparks qui sont devant au score, on l'appelle. Hein, 83 pour les Sparks, 82 pour les Lynx. Il reste 13 secondes à jouer. Par les Sparks. Ouais, au lancer franc. Hein. Donc, c'est lancer franc là. C'est James Carson qui vient de la rater. Ouais. Lancer. 12 secondes. Assez de suspense. On va attendre la fin de ce match. Ah oui, les Lynx qui sont passés devant. Les Lynx sont passés devant à 6 secondes de la fin du match. 84. Pour les Lynx, 83 pour les Sparks. Oui, Robo. Il faut vérifier le pacemaker de Missy que ça ne lâche pas. Faut pas que Missy ne lâche. Missy qui est derrière, c'est Lynx. C'est Lynx qui va arracher. Les Lynx vont finalement arracher cette victoire. Elle n'avait plus incroyable. De temps mort. C'est incroyable. Plus de temps mort. Elles ont fait tout terrain. C'est incroyable. Avec la vitesse. Ouais. C'est incroyable. Le problème des lancers francs, qu'est-ce qui vous menace quand il y a les lancers francs? On a toujours dit, c'est ce que font les garçons généralement. On sort du terrain, tous les joueurs qui ne sont pas bons dans les lancers francs. Et là, James Carson,
pour la laisser sur le terrain, peut-être pour sa défense ou autre chose. Mm-hmm. Sauf qu'elle a raté les deux lancers francs. Mm-hmm. Et en dessous, il n'y avait pas de Lakers pour récupérer les paniers. Ouais, et Minnesota n'ayant plus aucun temps mort, avec la vitesse, ben, elles ont fait tout terrain. Ouais. Et comme elles ont rencontré peu d'adversité... Les Lynx du Minnesota... Les Spurs qui sont passés devant à une seconde de la fin du match. 85 pour les Spurs, 84 pour les Lynx. Les Spurs qui vont remporter ce premier match. Vraisemblablement, il reste une... Quoi? C'est une seconde? C'est une seconde à jouer. Mais si... Les Spurs qui vont... Les Spurs... Une seconde à jouer. Les Spurs qui vont remporter ce match. Hein. Je l'ai expliqué. J'ai expliqué que... Jusqu'à la fin, il y a eu du suspense. Et oui, c'est terminé. Les Spurs qui ont gagné ce premier match. J'ai expliqué tout à l'heure, avant que le match ne se termine, Les Spurs. C'est les seconds couteaux qui nous font gagner. Et j'ai parlé de Chelsea Gray. Et c'est Chelsea Gray qui a marqué ce dernier panier. Absolument Chelsea Gray. Incroyable. Et qui termine à 27 points. Chelsea Gray, la MVP de ce match. Dans les bonnes équipes, il faut Une belle victoire. Regardez comment ça vient. Elle est vraiment audacieuse, il y a plein de choses devant elle, mais elle recule un peu juste. Et elle se fait confiance. On rappelle que les Lynx qui avaient la possibilité d'arracher ce match sur les toutes dernières secondes. Elles sont passées devant la toute dernière seconde de ce match. Avant que Chelsea Gray. Mais Chelsea Gray qui a sonné la fin. De ce match. Alors on rappelle rapidement les stats des meilleures joueuses de ce match. On rappelle donc Chelsea Gray MVP de ce game 1 entre les Sparks et les Lynx du Minnesota. Missy qui a donné sa stat tout à l'heure, 27 points, 3 rebonds, 6 passes. 27 points, 3 rebonds, 6 passes. Chelsea Gray, ça, 27 points, 3 rebonds, 6 passes. Une interception pour Chelsea Gray. Elle était bien poussée aussi par Odyssey Sims qui était à 16 points, 4 rebonds, 5 passes pour Odyssey Sims. Candace Parker était à 15 points en 32 minutes de temps de jeu. Elle était en mode double-double, hein, Candace Parker. Elle a réussi à ne pas se faire sortir du match. On rappelle qu'elle était quand même limitée par les fautes, hein, puisque au troisième quart d'heure, elle avait, je crois, encore 4 fautes. Elle a réussi à rester sur le terrain. 15 points sur elle, pour elle, pardon, 12 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre pour Candace Parker. Neka Ogumike, 11 points, 6 rebonds, 1 passe pour Neka et 10 points pour Alana Bird. Hein, donc voilà un peu le 5 majeur des joueuses qui ont porté les Sparks vers la victoire. 1 point d'écart, hein, 85 pour les Sparks, 84 pour les Lynx du Minnesota. Vas-y, Missy, après je donne les stats des Lynx. Il faut aussi dire que ce match, tel qu'il se termine, il ne reconnaît pas la tournure. Hein. Non, pas du 28, tout. Ça s'est démarré 28 à 2. Elles ont passé leur temps à courir après le score. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours bien démarrer les matchs. On ne peut pas s'empêcher de penser. La WNBA, qu'on vous fait vivre sur Radio All-Fame Basket. Alors, je vous donne rapidement les stats des Lynx pour ce Game 1. On va envoyer un big up à Maya Moore. Maya Moore hein, qui a bien fait brûler la feuille de stade. 27 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions pour l'intérieur Maya Moore. Sylvia Falls, la MVP 2017 WNBA MVP. 22 points, 13 rebonds. Elle était encore en double-double ce soir, mais elle était très serrée hein, par la défense des Sparks. Mais si on peut dire, elle n'a pas pu s'exprimer. Elle s'exprime vraiment pas dans le début de match. Ouais.
Donc 22 points, 13 rebonds, une passe, une interception, 3 contre pour Sylvia Falls quand même. Et la troisième meilleure joueuse des Lynx, c'est Simon Augustus, l'arrière avec 19 points en 36 minutes de temps de jeu. Hein, c'est celle qui a joué le plus derrière Maya Moore. 22 points, 13 rebonds. Simon Augustus, pardon. 19 points, 8 rebonds. Voilà, 19 points, 8 rebonds. 4 passes pour Simon Augustus. Donc voilà les 3 joueuses qui ont tenté de résister. Qui ont résisté, elles n'ont pas tenté, elles ont vraiment bien résisté. Hein. Faut pas que je tourne le français. Elles ont vraiment résisté puisqu'à la fin, elles auraient pu arracher cette victoire quand même. Et le problème qu'elles ont, c'est que autant Lindsay Wallen est une très bonne meneuse de jeu. Oui. Défensivement, on n'y est pas. N'y est pas. Elle ne fait pas le poids, défensivement. Elles vont se relancer. On peut compter sur elles pour se relancer pour le match suivant. On rappelle la date de la prochaine rencontre, c'est après-demain hein, ou c'est dans deux jours, hein, le 26. Voilà, c'est le 26 pour le Game 2. On pense qu'elles vont retenir les leçons de ce Game 1. Surtout qu'elles démarrent les matchs. Ouais, elles vont retenir la leçon de ce Game 1, les Sparks. Les Cavs se sont perdus comme ça. Toute équipe qui ne joue pas. C'est pour ça qu'on dit bien au basket. Le basket, il faut être des deux côtés du terrain. On ne veut pas des deux côtés du terrain. La victoire n'est pas possible. Et oui. Et voilà comment ça se passe avec cette page WNBA avec Missy qui nous a tenu le fil rouge de ce Game 1. On vous rappelle, le Game 2 sera donc se jouera le 26 septembre prochain. Allez, on enchaîne avec les news. On va en profiter pour envoyer un big up comme ça à un pivot qu'on apprécie aussi du côté de Radio. Il s'agit de Andrew Bogut qui est arrivé à LA. Alors il est très très content hein, d'être arrivé à LA. Alors il vient de dire ce n'est pas ici qu'on peut attraper la grippe avec un temps pareil. C'est pas la grippe qui le menace. Andrew Bogut qui vient de poser ses valises, il est en train d'enjoy le sunshine de d'LA. Il dit que c'est pas ici qu'on peut attraper la grippe avec un temps pareil. C'est l'un des critères de beaucoup de joueurs quand ils choisissent. En plus, tu as la franchise mythique, ouais. L'autre qui a commencé à quand même depuis quelques années sortir, s'ils ne traversent pas les demi-finales de conférence, c'est toujours bon. Miami était l'une des destinations aussi, entre autres, hein, Orlando et tout, mais voilà, c'est des bons coins. Mais lui, il a déjà quoi. Bogut, il a sa bague. Il a beaucoup de matchs de playoffs. Il a vécu des choses avec l'Australie, des belles compétitions. Je pense que lui, actuellement, ça me fait même peur de le recruter. Moi, j'aime parce qu'il peut se dorer la pilule, comme on dit. Parce que lui, le coin est beau. On lui a promis un poste même après, déjà. Lui a déjà promis parce que lui, après... Donc, moi, le salaire n'est pas si élevé que ça, mais bon, moi, j'aurais peur, mais est-ce que Mozgov reste aux Lakers? Mozgov, non, il est parti à Brooklyn, Mozgov. Ouais, à Brooklyn, voilà, d'accord. Donc, il remplace par le même type de joueur. Un peu ce qu'on disait, les Cavs ont essayé de remplacer Mozgov par Bogut. C'est le même type de joueur, sauf que Bogut a plus de techniques et de tirs, à mi-distance. Mais j'ai lu que dans le groupe Hall of Fame, Radio Hall of Fame Basket, aujourd'hui, quelqu'un qui disait que ça aurait été le bon plan pour OKC qui vient de prendre Carmelo. Mais malheureusement, il est déjà parti aux Lakers. Mais c'est vrai qu'il peut servir. Hein. C'est vrai. Mais là où on l'envoie aux Lakers, pour moi, c'est vraiment l'endroit où il va aller se dorer la pilule. Il va enjoy. Il annonce déjà. Hein. Il annonce déjà. C'est pas ici qu'on va attraper la grippe. C'est clair. Andrew Bogut. Alors on rappelle que à ce moment-là, il y a le média day pour
trois franchises, hein, pour ceux qui suivent un peu les réseaux. Il y a les Spurs qui démarrent leur Media Day, les Rockets de Houston et le Thunder d'Oklahoma City. Donc on a hâte d'entendre, hein, d'ailleurs, Carmelo Anthony, on va reparler de lui tout à l'heure. On a hâte de les entendre en conférence de presse. Ils vont s'exprimer dans quelques heures. Ce sera du côté dès que les Media Day va démarrer pour eux. Enfin, ça a déjà démarré, mais là, ils sont en train de faire les photos. Pour l'instant, ils sont en train de faire les photos. Qui parlait ces derniers temps-ci de la presse. Oui. Quand même d'autres choses qui est bien plus important. Oui, vas-y rapidement. Ouais. De la situation très alarmante de Porto Rico. Oui. Même Gigi Barrea en a parlé. Mmh. Ils n'arrivent pas à joindre leur famille sur place. Oui, Jennifer Lopez aussi, qui est originaire de Lille. Oui. Lille est en très très grande difficulté. Oui, elle oui, a oui. été énormément. Elle a été détruite vraiment par l'ouragan Maria, qui s'est abattu après le mât. Pour le dire, aujourd'hui, beaucoup de maisons sont noyées dans les eaux et tout ça. Donc il disait qu'il avait un peu de mal à joindre la famille là-bas sur place. Et tout oui, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Pour cette ville, quoi. C'est compliqué. Il va falloir plusieurs mois pour que l'électricité revienne. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas facile du tout. Allez, on enchaîne. J'étais donc du côté d'Oklahoma City lorsque l'on a donc félicité, avant qu'on ne félicite les Sparks pour leur première victoire. J'étais en train de dire. Sauf Messi. Alors j'étais du côté du je Thunder. Je félicite les Sparks. Tu félicites les Sparks, c'est bien, victoire. C'est bien. C'est bien. Et tu comme Minnesota Lynx va. Elles vont se reprendre pour le Game 2. Je suis pas du tout anti-Spark. C'est bien. Allez, on enchaîne. J'étais donc du côté d'OKC pour préciser que le front office du Thunder a donc remplacé Trey Burke, qui devait donc jouer avec eux. Il a donc décidé de pas aller là-bas. Trey Burke, ils ont remplacé Trey Burke j'avais son nom là tout à l'heure, par Isaiah Cannon. Voilà, il s'appelle Isaiah Cannon. Alors Isaiah Cannon qui a donc un deal non garanti avec le Thunder. On rappelle que Isaiah Cannon, il avait joué Isaiah Cannon, voilà, il a joué pour les Bulls, pendant un temps remplacé Rajon Rondo. Il a tourné pendant 3 matchs à 11 points de moyenne. Après, sur les 3 matchs qu'il a joué pour les playoffs, justement face aux Celtics de Boston, voilà, il tournait à 11,7 points de moyenne et il a joué 4 saisons pour les Rockets de Houston, pour les Sixers et pour les Bulls. Et pendant ce temps-là, il tournait à 8 points, une passe par match, hein, pour Isaiah Cannon, qui a donc un contrat non garanti avec le Thunder. Il va essayer de se faire sa place pendant le training camp. Voilà pour le Thunder. On reviendra sur le Thunder tout à l'heure. Mais si j'enchaîne rapidement parce qu'on a un peu accéléré, on a un peu de temps. On va du côté des Knicks. Les Knicks qui nous ont annoncé qu'ils vont se séparer du joueur Jason Randle. Ils vont se séparer de Jason Randle pour créer de l'espace dans leur roster pour la finalisation du trade de Melo. On rappelle que ils doivent accueillir Enes Kanter et Doug McDermott, hein, donc Jason Randle, bye bye, ciao, bye bye, hein. C'est business, c'est business. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis quoi, Moko? Bye bye, là, c'est comme si on va te donner le balai pour j'achète les. Ah, mon frère, c'est juste la façon, il était là, bon, et puis il faut bien qu'on enlève quelqu'un, bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça se passe. C'est pratiquement ça, c'est presque du mouvement, un mouvement de balai, on peut dire ça. Allez, on va du côté des Suns, n'hésitez pas à me couper, hein, si vous voulez réagir sur une info. On va du côté des Suns, les Suns qui nous ont informé, il y a encore quelques heures, qu'ils ont signé pour un an le restricted free agent Alex Len.
qui a donc signé un contrat d'un an pour 4,2 millions de dollars, une qualifying offer hein, pour oui, ce joueur Alexis. Voilà, donc il sera unrestricted free agent pour 2018 et donc voilà, il a donc signé en signant donc sa qualifying offer, Len aura donc il aura donc la possibilité d'avoir un veto pour des potentiels trades le concernant pour l'été prochain. On rappelle que ce pivot, cet intérieur très très intéressant, il a une moyenne de 8 points, 6 rebonds, 1 contre en 20 minutes de temps de jeu, et cela en 77 matchs. On rappelle qu'il a été 34 fois starter hein, ce joueur Alex Len. Donc voilà, on rappelle aussi qu'il était 5e choix de la draft 2013. Il avait été drafté au 5e choix par les Suns de Phoenix, et il vient du Maryland. Donc voilà un peu pour en savoir un peu plus sur Alex Len. C'est un bon intérieur, hein, Alex Len. C'est un bon intérieur. En tout cas, moi je peux le vérifier parce que sur NBA 2K il m'apporte de sacrés services avec Alex Len. Alex Len, je peux le dire. Allez, on enchaîne. On va rester avec les Suns pour parler de la signature du joueur Troy Daniels qui signe avec les Suns. Troy Daniels qui signe avec les Suns. On rappelle qu'il avait il a un pourcentage de tir de 38% à 3 points sur 67 matchs. Ce joueur Troy Daniels qui peut apporter quelques services aux Suns. Et on va terminer avec les Suns avec le, c'est pas le chouchou de Mopo, mais c'est un joueur quand même sur qui il a quand même tapé sur sa tête, mais maintenant il a envie de lui donner une seconde chance, hein, Mopo. Hein, Anthony Bennett, Mopo. Hein? Anthony Bennett. Ah. Anthony Bennett, qui a été une tête de turc pendant, il a été l'espoir hein, des cases au premier choix, puis après il s'est révélé une vraie catastrophe. On peut dire ça, Anthony Bennett. Oui, c'était son point. Pourtant en NCAA il était bien en NCAA. Mais en NBA, ça n'a pas donné. On rappelle qu'il a donc, je termine avec l'info, il a signé un contrat non garanti avec les Suns. On rappelle qu'il avait été sélectionné par les Cavs, c'était en 2013 hein, par les Cavs, Anthony Bennett. C'est quand même un gros mot hein, pour Anthony Bennett. Laisse-moi réaction de Mopo pour qui agissait sur Anthony Bennett. Mopo, seconde chance pour Anthony Bennett pour Mopo. Oui, mais ce sont les États-Unis, hein, c'est le pays du rêve, hein, le pays où chaque dans l'avion, dans la seconde chance à chaque personne, parce que mm-hmm. on a vu les Allen Iverson venir demander la second chance, on a donné, on a vu des grands joueurs, on a vu des gars, c'est vrai, mm-hmm. c'est vrai que il n'est pas Allen Iverson, c'est pas au physique, c'est un joueur, mais pour quelqu'un au moins qui était drafté, mm-hmm. qui était un first round pick et qui n'a pas lived d'expectation, on espère qu'avec le fait qu'il a trimmed down, qu'il a perdu du poids, mm-hmm. aujourd'hui, on ne donne pas une chance à n'importe qui en NBA, tu me peux, non? Mm-hmm. Quelque part, quand on te donne une chance, c'est qu'on se dit qu'on t'a scarpe longtemps, en fait. Mm-hmm. Ce n'est pas comme si c'est... Alors, justement, pour compléter ton information, pour compléter ta réaction, mon pote, tu enchaînes, c'est juste pour préciser que pourquoi les Saints ont choisi Anthony Bennett, parce qu'il semblerait qu'il a... L'assistant coach, il s'appelle Jay Triano, qui est donc dans le coaching staff des Saints, avait coaché Anthony Bennett lorsqu'il était en équipe
nationale du Canada, Jay Triano, et il a été très satisfait des performances de Bennett pendant l'entraînement avec pendant l'entraînement avec les l'entraînement avec l'équipe hein, Mopo. Ouais, c'est la question non parce que beaucoup de personnes vont être sûrement on demande que pourquoi être seconde chance et tout n'oublions pas. Ce n'est pas la ne joue pas la NBA qui veut hein, c'est le qui peut tu vois. Oui. Et on le fait venir à la PO durant les derniers training camps de l'avant de saison. Maintenant, il faut qu'il fasse le roster, tu vois, un peu. Non, fais le roster, ça sera confirmé. S'il ne fait pas le roster, on va le balayer en D-League, c'est pas drôle. Mais Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une chose, oui, c'est pour ça qu'il est, c'est un non garanti. Quand tu vois, on va pas te donner $1 million ou $2 million à un gars qu'on ne sait pas ce qu'il va foutre. Ce qu'il va apporter. Oui, un non garanti. Et on sait que non, c'est pour la PO de Kiev. S'il va les aider juste à courir plaisantement, on va voir. Mais à la fin de la journée, il a le profil parfait de donner quelque chose en plus. Mais est-ce qu'il va scorer? Est-ce qu'il va prendre le rebond? Est-ce qu'il va être prêt en défense? Tout un peu, non? Parce que là, maintenant, pour moi, si je suis Anthony Bennett, ce que je peux apporter, la plus-value que je peux donner à cette équipe, c'est défense, ballon en rebond, défense, rebond, défense, rebound. S'il peut faire cela, s'il peut défendre et prendre les rebonds et scorer pendant les training games, même 8 points, 10 points, pendant les machines, je pense qu'il peut avoir ça dans le roster. Il peut être 15, 16e joueur. Parce que n'oublie pas que la NBA a ajouté l'option pour ajouter un 16e joueur sur le roster. Tu te rappelles, non? À la fin, ils avaient ajouté parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les possibilités d'ajouter les joueurs, mais comme le salaire qu'ils ne les permettaient pas, c'est quand on a permis cette possibilité d'ajouter un certain nombre de joueurs sur le roster. C'est par rapport à ce petit luxe extra, là. Donc, on espère que bon, il va venir en plus. On espère qu'il va donner un truc. C'est quand même un gars de 6-10, 6-11, là. Il était peut-être tout le monde de pain qui devient un NBA ou Gila Train there. Il look like somebody who is like 2 feet right now, 240. So, c'est le poids normal. Il est supposé être là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en plus? Donc, on attend de voir, gars. Donc, ok, on attend de voir. Missy, vas-y, réagis. Après, je vais vous donner une réaction qui va faire rire, qui va vous faire rigoler. Vas-y, Missy. Anthony Bennett, il peut avoir sa chance, Anthony Bennett, non? Il a totalement sa chance. Je ne pense pas que si les Cavs l'ont drafté en pick world, 7-1, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose. Quand vous avez vu quelque chose sur quelqu'un, ça ne peut pas totalement disparaître. Maintenant, avec tout ce qu'il a vécu après, tout ce trimballement de gauche à droite. À droite, oui, oui. L'expérience doit lui faire dire que maintenant, il faut maintenant, voir. Oui, il oui, faut oui. qu'il montre ce potentiel qui était en lui. Le flop a fait qu'on a fini par oublier qu'il existait. Les bons joueurs qu'on cite, les gens qui étaient dans les meilleurs, comme vous connaissez la Ligue NBA, les meilleurs scoreurs de la Ligue, ils n'étaient pas tous bons dans les premières années. Kobe Bryant explique qu'est-ce qu'il a rendu bon. C'est en jouant et puis en voyant un match d'Iverson qui s'est dit, eh ben moi aussi, il faut que je sois productif. C'est surtout après avoir affronté Iverson et après avoir marché. Il a souffert. Hein. Après, il s'est dit qu'il n'est plus jamais ça. Il avait souffert face à Allen Iverson. À un moment donné, alors, comme vous ne dites plus jamais ça, il faut faire un petit peu pour éviter. C'est clair et net. Alors, le Doc NP. Oui. Donc, j'aime bien te faire réagir sur des réactions comme ça. C'est une réaction de Rudy Gay, hein, en direct, hein, Rudy Gay. C'est comme ça que ça se passe avec Flash NBA Flash Basket. On attrape les réactions des joueurs NBA comme ça. On vous les fait partager. Le Doc NP. Rudy Gay, tu m'écoutes? Oui. Rudy Gay qui est en train de dire, ça vient de tomber là. Il dit, la conférence Est et la conférence Ouest, ça va devenir, ça devient comme la WCW et la WWF. La WWF. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est que la WCW, c'est bien entendu, c'est le catch américain. Et pour ceux qui ne le savent pas, la WWF, c'est l'organisation qui est chargée de la protection contre l'environnement avec le nounours là, vous savez, le nounours là qui sert de logo. Ouais. Alors Rudy Gay qui compare les deux conférences comme ça en direct. Alors Mopo, le Doc NP, après Mopo, le Doc NP, comment tu réagis?
Oui, mais c'est un constat que tout le monde est en train de voir. Certains illuminés continuent à penser que c'est même ça a commencé depuis un bon moment. Et maintenant, moi, après, je ne sais pas si on parlera encore du sujet de ce nouveau transfert. On va parler de Melo. Mais, je ne vais pas rentrer. On va parler de Melo tout à l'heure. Encore dedans. Mais c'est une conséquence supplémentaire qui a commencé depuis. J'espère qu'eux, ils vont pas être surpris par le niveau où ils sont allés là, parce qu'à un moment ils partageaient déjà dans la WWF là, ou je sais pas, ils partageaient déjà là-bas, parce qu'ils vont être brutalement accueillis, hein. Ça rigole pas. Et certains disent même que j'ai trouvé encore plus marrant. Ouais. Est-ce que la conférence est au All-Star Game ne va pas être à la place du Rookie Game, un All-Star juste pour la conférence Est à la place du Rookie Game? Et que le vrai All-Star sera le All-Star juste les joueurs de la conférence Ouest. Et va à l'Est, on va dire, c'est on vrai. Fait un Rookie Game là-bas. Les gens se moquent un peu, mais je vais te dire, il va falloir que le commissionnaire Adam Silver. Parce que si l'année prochaine LeBron bouge encore là-bas aussi, ça bouge pas partout. C'est vrai que c'est compliqué. En train de venir à ce qu'on avait redouté du foot. Aujourd'hui, quand les trades comme ça, les échanges entre équipes sont possibles pour consulter les super teams, mais c'est pas que maintenant ça a toujours existé. Si on regarde bien, les Lakers et les Celtics, ils ont tant de titres, pourquoi? Parce qu'ils avaient des astuces pour trouver les meilleurs joueurs. Quand vous avez des astuces, de toute façon, ceux qui gagnent sont ceux qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, et à dépasser le salarié cap. Avant, il y avait la draft qui faisait ça. Maintenant, oui, il y avait la draft, c'est clair, mais aujourd'hui, il n'y a plus la draft. Autant des Lakers de Magic, ils ont eu la chance de la draft et de certains échanges. Mais c'était inconcevable de voir Isaiah Thomas qui se lève et qui dit « Oh, je commence à souffrir, il faut que j'aille jouer avec Bird peut-être, il lui manque un meneur de mon niveau. » C'était inconcevable. Maintenant, l'argent aussi, l'argent fait qu'il y a plus d'argent et qui fait que maintenant, bon, il y a plus de joueurs aussi. Allez, on enchaîne, les gars. Allez, on va enchaîner, on va continuer comme ça avec une petite réaction du côté de la Ligue. On va lire la réaction de Luc Mbamute qui vient de réagir en direct là. C'est comme ça se passe hein, dans NBA Flash, hein, on vous partage comme ça les réactions des joueurs NBA. Alors Luc Mbamute qui est le joueur de Houston, des Rockets de Houston, il a été invité par le council de Houston, par la responsable du council de Houston qui s'appelle Amanda Edwards, pardon, pour participer donc à un événement communautaire pour bien entendu aider hein, par rapport à ce qui s'est passé du côté de Houston avec les intempéries, etc. Donc il a posté une photo de lui avec cette responsable du conseil de Houston, Amanda Edwards, pour la remercier de l'avoir invité. Cet après-midi, il a passé un bel après-midi avec ses officiels du côté de Houston. Voilà une réaction comme ça de Luc Mbamute des Rockets. Allez, on enchaîne, on va du côté des Bucks, les amis, on va du côté des Bucks pour parler de l'information qu'ils nous ont transmise. Les Bucks qui sont séparés de l'arrière Jekan Lewis. Jekan Lewis, c'est un arrière qui n'a pas été drafté. Il vient de l'université de Virginia. Il avait signé son contrat avec les Bucks le 6 juillet et il avait joué 4 matchs en NBA Summer League. Pendant ces matchs, il avait tourné à 2 points, une passe décisive. Donc voilà, ils se sont séparés. La match en mal. Non, mais moi, Je dis ma chance parce que en juillet, je sais même pas s'il a touché un salaire d'été ou je sais pas quoi, mais non, il a pas été drafté. Il a failli avoir un an de contrat là.
À, c'est-à-dire que juste à la dernière seconde, on lui empêche le rêve de faire vivre toute une famille. Alors, oh là là, c'est pas facile. Vas-y. Vas-y, Mopo. C'est vrai, quelque part, on a empêché le rêve de toucher un an même. En même temps, je pense, moi, c'est une autre manière de demander aux gars de rebosser dur. Je vais vous donner la bonne info, il n'y a pas de souci, parce que j'allais enchaîner justement sur les Bucks pour préciser que si les Bucks se sont séparés de Jekan Lewis, c'est tout simplement parce qu'ils ont accueilli Gerald Green. Ils ont accueilli Gerald Green dans leur effectif pour un contrat non garanti pour le training camp. Gerald, tu dis quoi, Mopo? La bonne nouvelle est aussi ça. On voit un gars qui va partir. C'est ce que je disais. Je n'ai pas dit que c'est la bonne nouvelle. J'ai dit que j'allais apporter l'explication, non? L'explication du pourquoi tu nous fais la place. Pour les Alors, pour je termine. Après, vous allez réagir tous ensemble. Mopo va réagir, Missy, et après le Doc NP. Donc, le Doc NP qui est en train de ricaner très, très fort, là. Alors, je termine pour dire Gerald Green a donc signé un contrat non garanti avec les Bucks pour le training camp. On rappelle qu'il va donc batailler pour avoir son spot, hein, pour rester chez les Bucks. On rappelle qu'il avait joué la saison dernière avec les Celtics de Boston. Vas-y, Mopo, après Missy. Mopo, Missy, tu ne nous as pas compris peut-être, hein. C'est que ton pleure juste le sort du gars qui va venir. Jekan. Jekan. Jekan Lewis. Il était dans le quartier, il a pensé à la Mercedes qui va venir. Oui. Aujourd'hui, maintenant, il va se retrouver que gars, il va commencer à négocier pour 30 000 euros en Europe. Gars. Il n'a pas le droit. C'est un gars qui est en train de voir moi, le minimum salaire, on sait combien ça en NBA. Gars. Bien sûr. C'est pas du n'importe quoi. C'est un truc qui permet de faire vivre une famille. Et donc, c'est un peu dans le sens là qu'on t'entendait. Mais comme j'étais en train de repréciser mon mot, comme il est déjà dans le roster, qu'il est habitué, qu'on l'a coupé en 20 minutes comme ça, c'est bien pour la prochaine saison. Et je me suis bien pour lui parler en Chine, faire 100 000 dollars ou 150 000 dollars en Chine, tu vois un peu, non? De une chose est en su, il va trouver un contrat. Mais il va trouver un contrat. C'est lucratif. J'espère. Un NBA. J'espère. Le seul vrai problème, c'est quoi? Est-ce qu'il va garder la peste un peu, non? Oui. La réaction tu veux dire que c'est dans le mental, Mopo, c'est dans le mental. Oui, parce qu'en fait, la réaction qu'Amma vient d'avoir, c'est qu'il a aussi dans la tête, que God damn, the last minute, tu vois un peu comment ça. C'est un truc qui te fuck le cerveau. Bon, par exemple, le mot, tu veux. Il n'y a pas de souci. Il est à 23h, les enfants sont couchés. J'ai vu des gars qui sont partis dans la dernière coupure, comme ça, commencer à shooter la drogue directement. Venez aux États-Unis, je ne parle pas derrière. On est les gars aujourd'hui. Les amis qu'on a joués ensemble, qui ont. On a joué qui sont retrouvés à shooter la cocaïne à cause de ça. Oh là là, c'est pas facile. Tu as mis tous les espoirs dessus. Il y a les gars Donc, est dans un cochon. Laisse-moi le cochon. Non, mais c'est pas le cochon. Il a raison. Il y a les gars aux États-Unis qui ne savent rien faire en dehors que de jouer au basket. Je te le dis. Ils ne savent rien d'autre que de jouer au basket. Au basket. Quand ils finissent de jouer au basket, c'est ça que tu rends compte, commence à faire la drogue parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre à faire. C'est passé avec le petit, le gars là, Greg Oden. Il est tombé dans la boisson et tout parce qu'en fait, il stressait. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fini l'école à Ohio State. Il n'avait rien dans le cerveau. Donc, aujourd'hui, tu vois, dans son programme de réinsertion, c'est reparti à l'école, travailler avec Ohio State. C'est pour ça qu'il travaille le programme de basket, ça le paye son école, en fait. Tu vois un peu, non? Oui. C'est que c'est la seule chose qu'il sait faire. Aujourd'hui, un gars comme ça peut se retrouver en train de balayer la rue. On va faire comment? Missy, écoute un peu le doc et après tu réagis, s'il te plaît, Missy. Hein? Écoute un peu le doc. Ce que je disais, c'est que beaucoup ne savent pas. Quand on voit ces gens parler de business, de faire des choix financiers par rapport au supérieur aux choix sportifs, un mec qui n'a pas été drafté, qu'on a vu comme ça, on a dit que lui, il était pas mal, on peut l'essayer. Il y a toute une famille, la mère, la grand-mère. Nous, on est originaire d'Afrique, on sait ce que c'est qu'un enfant qui part souvent en Europe juste pour les simples études, tout ce qu'il y a derrière lui. Lui, il est là aux États-Unis, c'est pareil, c'est le noir, la famille au quartier, on dit. Peut-être que mon fils va signer un contrat NBA. Je ne sais pas si tu as la draft avec toute la famille autour de la table. C'est tous les intérêts, hein. Même les cousins et tout, ils sont déjà que s'ils sont derrière. Les draftés. Ouf, la famille est assurée. Les mecs ont toute une famille. Tu te rappelles un peu de la phrase de Kobe Bryant qui disait que quand il parlait à lui-même, jeune basketteur, il disait qu'il va falloir apprendre à ta famille qu'au lieu de donner l'argent, tu peux les aider. Ça, c'est très compliqué. Quand tu signes un contrat de professionnel,
parce qu'autour, on va, l'ami peut te descendre parce que t'as pas donné l'argent en liquide, alors que tu peux peut-être faire un truc pour les aider, embaucher et tout. Mmh. Mais un joueur comme ça, tout près de signer, tout près, là, on lui dit non, c'est pas bon, il y a Gérald Green qui va venir nous sortir des dunks. Et si lui, il est là depuis, bah, mentalement, bah, comme mon pote, il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il soit fort. Le mec peut repartir au quartier, il n'a même pas la. Et si son agent n'est pas bon, c'est pour ça que je disais, et s'il trouve, si son agent n'est pas bon pour dire, regardez un mec qui a au moins porté le maillot des Bucks pendant 2 mois, qui a pris l'expérience, est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas trouver un club en Europe, en Chine, ou je sais pas, même en D-League? Si son agent n'est pas bon, il fait un an à la maison, l'année prochaine, il est fini. Hein. Il est fini. C'est le quartier. Il va venir commencer à faire comme moi. Il va commencer à faire comme moi, à soulever la bouteille. Hein. Missy, Missy. Missy, comment tu réagis à tout ce que tu as entendu? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, d'un sportif, d'un athlète. Ce qu'il y a juste à rappeler, c'est comme dans tout aujourd'hui, nous vivons dans les sociétés où actuellement, tout est en concurrence avec tout. Ce débat est dans tout. Pour fréquenter un établissement universitaire, pour fréquenter ci ou ça ou ça, on ne retient que les meilleurs. En même temps, aujourd'hui, la problématique est que il faudra que nos sociétés disent ce qu'ils ont fait de tous ces gens dont on se débarrasse comme ça à la dernière minute. Et ça, notre société n'est pas prête et elle vit de l'hypocrisie de ça pour expliquer toujours que, ah ben oui, c'est les meilleurs, on doit décider. Mais le talent ne se distribue pas, on n'est pas non plus avec. Et les gens qui sont dans les premiers, sont dans les premiers parce qu'ils ont les aptitudes. Tout le monde n'a pas les aptitudes parce que, un, vous n'avez pas la taille peut-être, vous n'avez pas la morphologie qui permet d'avoir les aptitudes. Les aptitudes, c'est pas seulement parce que vous allez bosser votre tir que vous serez un Steph Curry, non. Steph Curry a plus d'aptitudes. On voit une telle facilité chez lui, mais si on vous raconte ses aptitudes, sa mobilité, tout ce qui est derrière. Et aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il se dise, bon, il a été un peu là 2 mois, c'est pas du tout perdu, il peut aller voir ailleurs. Il peut rebondir. Et cette situation doit alerter les jeunes joueurs que vous devez toujours avoir un plan B. Un plan B, oui. Mais c'est vrai, c'est pas facile. Si on n'a pas de plan B, c'est pas facile. Il faut pas se dire, je mise sur le basket. Aujourd'hui, ce à quoi la NBA est victime, elle est victime de son succès. Du temps d'Olajuwon, Olajuwon le dit très bien, même les Mutombo. Du temps d'Olajuwon, il y avait quelques aventureux qui allaient à la NBA. Et Olajuwon était les premiers Africains vraiment à y aller. La majeure partie de la ligue était composée que d'Américains. Aujourd'hui, les gens viennent du globe entier, du monde entier. Et lui qui est au fin fond de l'Afrique, il a autant de chance que quelqu'un qui est au fin fond de l'Amérique. S'il a le talent, s'il est capable, c'est toujours, ça procède toujours de la même chose. De la même chose, là, voilà. Vas-y, mais s'il conclut, vas-y. C'est là où c'est compliqué maintenant pour les jeunes Américains de se dire, de se challenger, pour beaucoup d'entre eux, de se dire, on n'est pas simplement en concurrence, c'est pas, ça se joue pas entre Gérald Green et ce joueur. Se joue beaucoup plus entre l'Européen qui vient, le Sud-Américain qui vient, le gars qui vient de l'Australie et autres, les autres Ben Simon et tout ça. La NBA a décidé de s'ouvrir et de regarder là où le talent est. Maintenant, bon, Gérald Green, c'est vrai que c'est un vétéran, on se dit, bon, il peut rendre quelques services, mais lui, c'est pareil, il a jamais vraiment réussi à se fixer en NBA. Les dernières années, il a fait Miami, il a fait les Celtics, et il se cherche encore, quoi. Eh oui,
Et oui. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Allez, on enchaîne avec la suite des infos. Mais avant cela, je voudrais envoyer un petit big up. C'est comme ça hein, pendant le flash, une petite réaction de Eric Bledsoe justement des Suns de Phoenix qui s'est pris en photo avec son acteur favori. Vous allez savoir de qui je parle puisqu'il s'agit de Nicolas Cage. Hein, Nicolas Cage, il a rencontré dans un aéroport là. Entre temps, il a chopé son bras et il a pris une photo rapidement avec Nicolas Cage. Ça vient de tomber. Il vient de le poster sur son réseau. D'ailleurs, quand je vois la tête de Nicolas Cage, déjà, il a pas bonne mine. Hein. Il a pas la tête de quelqu'un qui. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Non, mais c'est pas, quand je vois sa tête là, tu sens que bon les dollars là, c'est pas facile pour lui. Allez, on va enchaîner les amis. On va enchaîner. Non, ne me prenez pas, ne me tirez pas si vous êtes fan de Nicolas Cage. Je n'ai pas attaqué votre star. C'est quoi le doc? C'est quoi le doc? Il pouvait demander un petit bien comme ça là. Les gars, tu prends la photo avec moi, lâche-moi bien, hein, parce que c'est dur. C'est vrai que la carrière de Nicolas Cage, c'est vrai qu'il a il a quand même on sait que dans sa carrière, ça n'a pas été facile pour lui au niveau de la gestion de son trésor, on va dire ça comme ça. Allez, on enchaîne. On était chez les Rockets de Houston, je crois. On était à Houston, oui. On est à Houston pour parler de la signature du joueur Chris Johnson. Le joueur Chris Johnson qui a signé un an de contrat. On rappelle que ce joueur a joué, il a joué par le passé pour les Grizzlies, les Sixers, les Jazz et les Bucks. Johnson a été, il a impressionné apparemment les Rockets en Summer League. Donc, il a joué 4 saisons en G League aussi. Avec les Vipers où il tournait à 14 points à 48% au tir et 14 points, 5 rebonds et 48% au tir. Donc voilà un joueur qui va aussi se faire qui va chercher à se faire une place pour le training camp pour les Rockets de Houston. On enchaîne le doc. Je sais pas si tu as vu cette info concernant Kyrie Irving de Boston. Tu l'as vu cette info, le doc? Kyrie Irving qui est arrivé en retard pour son premier rendez-vous avec les Celtics et l'entraînement de l'équipe. Alors, on vous raconte un peu l'histoire. On rappelle que Kyrie qui devait s'entretenir avec Brad Stevens pour son premier entretien, on va dire ça comme ça, avec Brad Stevens, et devait participer à une séance d'entraînement collective avec ses coéquipiers, et il a eu près de 45 minutes de retard, pour Kyrie Irving, pardon, et il ne s'agissait pas d'un acte délibéré de sa part, hein. C'est pas qu'il ne voulait pas y aller, c'est tout simplement qu'il a eu un problème avec sa voiture en route. Il avait en effet oublié que le moteur de sa Jeep avait été changé et ne supportait pas donc le même essence que le dernier moteur qu'il avait. Donc en gros, il s'est trompé d'essence. Moi pour qu'il le récupère tout de suite. Alors je termine vous préciser que il s'était donc trompé de fiel hein, pour sa voiture et sa voiture est donc restée bloquée sur la route. Il se trouvait à 5 km du centre d'entraînement des Celtics et il était un peu paniqué d'après ce qui se dit. Il était un peu paniqué et les habitants du coin l'ont aidé, hein, les habitants du quartier l'ont aidé. Et il paraît que c'est l'un des membres. Je termine pour dire que c'est l'un des membres du staff des Celtics qui est venu à la rescousse de Kyrie pour le transporter en voiture et le ramener au centre d'entraînement des Celtics de Boston. Je comprends pourquoi il ne voulait pas jouer avec LeBron James, parce que LeBron James, oh, il a le billet de 15, il n'a pas de chance, il ne voulait pas jouer avec LeBron James, parce qu'on comprend. Il va lui taper pour comment tu réagis alors, hein, première journée qui n'a pas été facile pour Kyrie. Attends. Oui, mais moi, en fait, Phil, il est jeune, il n'a pas de diplomatie parce qu'il aurait pu dire qu'il ne connaît pas la ville encore, il a essayé de partir. Normalement,
tout joueur qui arrive dans une ville ou dans un nouveau club, et c'est un coéquipier ou c'est un membre du staff qui passe pour le chercher. Il ne s'aventure pas déjà avec sa propre voiture. Alors, il paraît que les voisins du quartier qui ont vu la voiture s'arrêter l'ont aidé à pousser la voiture sur le côté et que certains ne l'auraient même pas reconnu. Hein. Il semblerait que certains ne l'auraient pas reconnu Mais tu sais, c'est ça que je dis. Moi, j'ai vu ça chez les sports, chez les basketteurs comme chez les footballeurs. Tu arrives dans une ville. L'un des trucs, quand tu connais pas encore, vers le début, voilà, il y a Uber, maintenant il y a taxi, mais le club même peut t'envoyer quelqu'un. Tu sais qu'il s'est rasé, donc il s'est rasé, donc c'est pas facile hein, de reconnaître Kairi. On te met Kairi qui s'est sans sa barbe, tu le reconnais pas tout de suite. Hein. Oui, mais sinon moi je lui demande un billet pour le nouveau salaire. Je dis, écoute Kairi, c'est compliqué là actuellement, le loyer ne passe pas bien, lâche-moi même 1 000 euros, 1 000 dollars. Mais moi personnellement, mais le truc c'est que lui-même, son comportement à lui, il n'y a pas de sens à se dire je vais prendre ma voiture. Et il est à Boston, il n'est pas à Cleveland, hein. C'est l'une des plus grosses villes des États-Unis. Là, il est vraiment dans un gros marché. Il n'est pas à la campagne. Hein. J'aime Cleveland, c'est une grande ville même déjà. Et là, il est à Boston. Va dire ça à Joachim Noah. Ouais, mais c'est même pas un problème. Avec Cleveland. Non, mais Joachim Noah n'avait pas tort. C'est un premier. Ça, je veux dire, ça reste quand même, c'est pas une campagne. Mmh. Une capitale. Mmh. Mais il était dans une capitale. Là, il arrive à Boston. Mmh. Déjà, c'est même sans l'histoire du carburant. Moi, premier entraînement, je m'aventurerai pas. Après, il est peut-être plus jeune. Je m'aventurerai pas à prendre ma voiture parce que je peux me perdre. Il y a le GPS, tout ça. Mais est-ce qu'il se connaît l'état de la circulation pour arriver au stade? Comment ça se passe et tout? Premier jour, dans les semaines passées, mais demander au club. Tu sais comment Dexter me m'arrive aux entraînements, hein. Des rebonds, des comics, ça c'est par hélicoptère, hein, à un moment donné quand ça bloque, pour ne pas avoir à faire aux embouteillages dans les grands. Ils arrivent par hélicoptère. Hein. C'est vrai. C'est des gens qui veulent pas rater, qui sont à l'heure par tout le monde. Il va apprendre avec le temps. Hein. Mon pour Kairi, il devrait plutôt prendre l'hélico, c'est ça? Vas-y Mopo. Écoutons le Mopo après-midi. Mopo et après-midi, s'il vous plaît. La première règle aux États-Unis, même au lycée, même à la maternelle, on dit ceci. You want to be on time of practice, be there 35 or 40 minutes before the practice. C'est la première règle. C'est donc c'est tout. On me raconte, elle ne comprend pas ce qu'il raconte. On t'a mis un nouveau moteur dans une nouvelle voiture. Car il y a un Lamborghini, il a un Range Rover, il a toutes les voitures au parking, non, il veut quitter la voiture. C'était une Jeep qu'il a pris. Oui, bon, une Jeep, c'est la voiture qui manque ce aux États-Unis, dans un des pays les plus développés au monde. Tu appelles Uber, le pays de la voiture. C'est pas un problème. Tu appelles Uber de luxe, tu appelles ton tow truck, tu laisses ta voiture en bordure de route, personne ne va la voler. On est aux États-Unis, personne ne va la voler. Tu laisses en bordure de route, on vient tôt. Mais peut-être qu'il avait peur qu'on la vole aussi, parce que c'est pour ça qu'on l'assistant coach est venu le chercher. Mais les gens sont venus pousser la voiture, les gens du quartier sont venus pousser la voiture, ils l'ont même pas reconnu. Sa voiture est assurée, tu penses qu'on la vole aux États-Unis? Largement. Mais peut-être qu'il a. Un vol, c'est assuré, gars. Oui, mais peut-être que c'est un souvenir. Oui, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on vole leur truc, non? C'est l'assurance, lui. Au contraire, je veux qu'on parle. Quand on parle, on fait le Ah, mon pot. Non, mais c'est vrai que ça part pour un premier. Et même pour les autres. C'est là que je dis qu'il y a encore la jeunesse. Tu parles du leader de l'équipe. Hein. C'est le leader, oui. C'est le franchise player. Ouais, prenez entraînement, tu peux pas. Tu es 40 minutes en retard. 45 minutes. Tu par rapport à la voix. 45 minutes. Et tu prends du fil. Oui. À la base même. Oui. Il ne doit même pas s'aventurer lui-même avec sa voiture. Par expérience, tu ne le fais pas. Soit le club t'envoie, tu es la star maintenant. Tu dis au GM ou c'est pas quoi. Envoyez-moi quelqu'un qui connaît cette ville, un chauffeur pro, qui vient me chercher ici. Ils appellent Uber ou ils appellent un mec. Ils peuvent lui dire, écoute, tel coéquipier est là depuis des années, il habite pas loin, il te prendra. Écoute, écoute un peu Missy qui veut dire quelque chose là-dessus. Vas-y Missy, s'il te plaît, Missy. Vous savez quoi? Il aurait dû prendre la moto, Missy, ou bien? Vous savez quoi? C'est même pas ça. Le Benzikin.
on l'attend sur le terrain. Sur le terrain, oui. Et quand le match va commencer, maintenant tout ça, c'est du bruit. C'est du bavardage. Non, mais si tu veux pas, voyager. Tu veux pas dire ça. Hein. Tu veux non, pas dire ce que c'est que non, je comprends ce que vous dites. Ouais. Je comprends maintenant. Mm-hmm. Maintenant qu'il a dit comme ça, expliqué comme ça. Mm-hmm. Il est arrivé de 45 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi là? Là, parlons bien, parlons peu. Non, mais mm-hmm. On ne peut rien y faire dans tout ce qui s'est passé. On peut commenter et analyser et dire que. Déjà, pour les grands joueurs de l'histoire te diront qu'ils n'ont négligé aucun détail. Mais soit dans leur communication. Moi, dans la communication, je n'aurais pas parlé comme ça même. Je suis le leader, je ne veux pas dire que j'ai pris la voiture, on a poussé sur le bas-côté. Mais on ne l'a pas reconnu, Ama. On ne l'a pas reconnu. En fait, Missy, vas-y. J'ai eu le cas ce week-end pour ma nièce qui s'expliquait en disant que, ah ben oui, il y a l'impératif de ci, à la cuisine de impératif je ne peux pas ça. Faire mes devoirs et je ne peux pas. On lui dit, mais tu n'es pas organisé. C'est ça le problème, c'est pas le petit truc qu'on te demande à gauche ou à droite. Mmh. Maintenant, lui, il n'est pas organisé. Kobe Bryant, quand il vient, avant qu'il ne vienne s'entraîner avec les Lakers, il a fait 3 heures d'entraînement avant. Quand il entre dans le centre d'entraînement des Lakers, c'est peut-être pour faire peut-être 3-4 heures d'entraînement. Il est déjà là, il était déjà là. Kobe Bryant a dit, si tu veux aller loin, commence à monter les marches en somme, c'est comme ça que moi je le vois. Oui, commence à monter les marches avant qu'on ne te demande de monter les marches. C'est-à-dire qu'au moment où la compétition vient, tu dois être prêt. Kyrie Irving, il doit être prêt. Le jour où il vous arrive n'importe quoi ou n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous justifier. Peut-être que c'est parce que moi je connaissais quelqu'un comme ça qui me suivait dans le temps. À chaque fois il y avait l'occasion de m'arriver quelque chose, il disait toujours mais questionne-toi dans tout ce que tu dis, quelle est ta faute dans des dates. Effectivement, toujours ta faute, nous sommes toujours fautifs dans l'histoire. Maintenant sa manière de l'exprimer, elle est pas bonne. Maintenant, il va se modifier. Parce que comme vous dites là, quand tu dois partir quelque part, il faut arriver toujours 2 heures à l'avance. Ici, nous, en France, on parle toujours de l'heure africaine. Eh ben, c'est caricatural ce que je dis là. Parce que moi, je veux dire que ce que tu dis n'est pas faux, ce que je suis en train de dire. Vas-y, pousse et après, je vais enchaîner. Mais juste pour terminer, ce que nous ici, nous disons l'heure africaine. Toute personne noire n'est pas dans l'heure africaine. Moi, j'ai mon papa, tu donnes rendez-vous, il est là 2 heures avant. Donc le conseil qu'on va donner à Kéré, il faut que tu sois là avant. Voilà, il faut être là avant. Et si ta voiture, s'arrête en route, tu appelles Uber. Juste une chose à préciser que. Vas-y. Termine et après j'enchaîne. Juste une chose à préciser. Vas-y. Tous ces centres d'entraînement là sont ultra modernes. Bien si sûr. Vous venez avant le coach, vous avez toujours quelqu'un qui est là. Qui est là pour vous aider. Coach, vous allez travailler ensemble. Bien sûr. Donc, il peut être là avant. Il peut être là avant, bien entendu. Allez, les amis, on enchaîne. On va du côté des Spurs. On va du côté des Spurs pour parler de la réaction de Tipeee. Tipeee qui a annoncé son retour très prochainement. Hein, on rappelle Tipeee qui avait une fin de saison difficile à cause des blessures. Tipeee qui a réagi dans les médias en disant concernant sa forme, il a dit que mon tendon est guéri. J'ai beaucoup bossé et ça a payé pour que j'ai autant d'avance sur ma récupération aujourd'hui. Il faut dire que le free work a été très important. J'ai le feu vert des médecins actuellement, mais maintenant je peux être sur le terrain, mais j'ai évidemment besoin de me remettre encore en forme. Je pense qu'il me faut encore
deux bons mois. Mon objectif est de revenir donc fin novembre, ce qui ferait presque deux mois d'avance par rapport à ce qu'on m'avait annoncé au départ, juste après l'opération où on me parlait de mi-janvier. Il a rajouté, je dois être patient, il faut que j'utilise ma jambe gauche autant que ma jambe droite. Si je revenais dès demain, j'utiliserais trop ma jambe droite et ça créerait des tendinites à répétition. Je veux donc prendre le temps pour revenir en bonne forme au niveau qui était le mien au début des derniers playoffs. Mon retour, c'est moi qui le programme et de toute façon, même pour fin novembre, il va quand même falloir convaincre Greg Popovich. Maintenant, si ça ne tenait qu'à lui, je ne jouerais même pas avant les playoffs. Tipeee connaît bien le caractère de son coach. Greg Popovich qui ne prend pas de risques. Hein. Oui. Et on va enchaîner avant d'attaquer vite le dossier de Carmelo Anthony pour parler de la déclaration de Damien Lillard qui continue à clamer haut et fort qu'il est contre les super teams. Damien Lillard qui a dit concernant les derniers transferts, les médias lui ont demandé s'il aurait s'il pourrait rejoindre une super team. Il dit je n'aurais pas fait. Alors ça m'a fait marrer parce que ça montre qu'il a quand même gardé toujours une dent à son ancien coéquipier, puisqu'il dit je n'aurais pas fait comme LaMarcus quand il est parti aux Spurs. Il n'est pas question que je rejoigne une autre équipe. Je ne partirai nulle part et je veux gagner un titre dans une équipe. Donc, j'aurais... Le token qui rigole. Laisse-moi terminer, là, mon frère. Laisse-moi terminer. Il n'est pas question que je rejoigne une autre équipe. Je ne partirai nulle part et je veux gagner un titre dans une équipe dont j'aurais participé à la construction. Sauf, bien évidemment, si je suis échangé. Mais je ne peux pas contrôler ces choses-là. C'est comme ça que je le ressens. Pas seulement maintenant, mais depuis le début de ma carrière. Je ne suis pas en colère contre ceux qui font ça. Si ça ne leur pose pas de problème, qu'ils le fassent, ce n'est pas un souci. Je vous dis juste que moi, je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ma manière de procéder. Et je crois que le Doc NP n'est pas d'accord. C'est le Doc NP qui ricane un peu là. Moi, je suis d'accord. Et puis, je suis d'accord. Si c'était qu'on vit dans un monde de bisounours, moi, je suis d'accord. Hein. Comme je le disais l'autre jour, jeudi dernier, ouais. Je suis d'une génération où on voyait bien la fidélité, construction, l'équipe gagner, pleurer, voir tout le travail accompli, blablabla. C'est ce qu'on attendait d'un certain jusqu'à ce qu'il. Mais on va le dire, de toute façon, on en parlera tout à l'heure. Mais je vais te dire, Kevin Durant a fait la déclaration comme ça en 2010, ou 2009, ou je sais plus quand, en disant que tout le monde veut rejoindre les Lakers ou bien Miami ou je sais pas quoi. Il a fini par comprendre les années passant que la bague là est en train de s'éloigner dans sa fidélité. Ouais. Certains même. Il l'a dit quand même, Dame, que certains se font surprendre par un trade. Ils montrent leur fidélité et ils se lèvent le matin, le club là est changé et constatent que c'est un business. Mais dire, il parle comme ça quand les années vont passer. Tu veux dire qu'il va sentir le truc. Parce que là, il est parti peut-être pour ne pas voir les playoffs. Bon, avec Nurkic qui revient, il peut peut-être frôler la 8e ou la 7e place par miracle. Mais quand ça va s'enchaîner comme ça, limite de playoffs, élimination, premier tour et tout, il va comprendre qu'à un moment donné, il va dire écoutez, j'ai déjà gagné le salaire max deux fois, j'ai dans mon compte 300 millions, donc il me faut aller chercher une bague. C'est moi. Il va comprendre très vite. Hein. Laissez-moi aller chercher la bague. Allez, on va attaquer rapidement donc le petit sujet, le débat concernant le transfert de Melo à Oklahoma City. Missy qui veut encore réagir et après on enchaîne sur Melo. Non, c'est... Vas-y. C'est par rapport à autre chose. Mirotic, tu vas rester au Bulls. Ah, Mirotic, il reste au Bulls. C'est bien. Pour deux ans, pour 27 millions. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien pour 27 millions sur Mirotic.
Mirosic, un joueur que Dimitri du côté de Londres ne peut pas, il peut pas se relever pour aller regarder Mirosic. On a un big up à Dimitri. On a bien vu cette équipe. Londres. De toutes les façons, les Bulls. De toutes les façons, les Bulls ont besoin de tout ce qu'il leur faut pour avoir les idées positives. On va dire ça comme ça. Allez, on va enchaîner avec un petit jingle et après on attaque pour le petit dossier concernant Carmelo Anthony. C'est dans moi. Dans moins de 50 secondes. À tout de suite, les amis. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es ? Je vais être ton adversaire. Dans deux jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, allez, on enchaîne avec le dossier hein, dans ce petit débat qu'on va un peu partager ensemble. On va donc parler donc de ce mouvement qui a secoué la NBA et qui va nous pousser à poser une question sur laquelle on va un peu s'échauffer. On va un peu voir si ça va prendre et pourquoi pas mardi pour The Big NBA Show. On va probablement revenir dessus. On va l'avoir bien entendu faire le point. On va bien entendu partager nos sentiments sur ce trade Melo qui est donc enfin du côté d'Oklahoma City, qui est du côté d'Oklahoma City, il n'est pas enfin du côté d'Oklahoma City, il est du côté d'Oklahoma City. Bon, on peut dire qu'enfin sa situation s'est décantée. On va d'abord commencer par écouter le doc ONP sur son ressenti par rapport à ça. On écoute Missy après Pierre. Le doc ONP. Oui. Alors comment tu as réagi quand tu as pris le trade de Melo à Oklahoma City contre il faut que je revienne d'avoir sur les détails de ce trade. On rappelle que c'est Enes Kanter et un second tour 2018 et un autre joueur dont j'ai oublié le nom dont tout à l'heure là. Il faut que je revienne dessus. Alors comment tu réagis donc NP par rapport à ce trade Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ça t'a choqué? Pour la destination, surpris parce que on était à deux doigts de rappelle-toi, de Portland, voire de Houston. C'est vrai. Où ils voulaient aller jouer jeudi dernier. Et que, au dernier moment, OKC s'est positionné. Et a vu, pourquoi ils ont vu que ça bloquait des deux côtés, tu vois. Ouais. Big up à Damien Lillard qui a failli avoir son big three. Et maintenant, il peut dire qu'il n'est pas, qu'il est contre ça, mais il a failli l'avoir. Il voulait Melo aussi, on rappelle. Et ouais, effectivement, Portland c'était pas mal pour lui, mais là j'ai été surpris, mais choqué non. Après, pour moi, ça reste une très bonne destination pour lui aussi. Pour moi, franchement, Houston était la meilleure par rapport, mais je sais pas qui aurait eu dans la balance. Mais là, OKC ne perd pas grand chose. Kanter, c'était certes quelqu'un d'utile, mais pas plus que Adams qui pour moi était vraiment. Ils ont réussi à garder Adam, ce qui était pour moi le mec qui convertissait pas mal de ballons. Il a de très bonnes mains. Kanter était, c'est de la saison dernière, plus en train de discuter sur le banc contre Kevin Durant qu'autre chose. Et il s'est même blessé bêtement en cognant le truc d'énervement. Il tape la chaise, il se blesse la main. Donc c'était quelqu'un qui était plus dans l'émotion. Donc pour moi, c'est pas une si grande perte par rapport à l'arrivée qu'ils ont. C'est même un miracle que ce truc puisse se faire. Et je trouve
le deal sur le papier, en tout cas, très bon. Je trouve le move, en tout cas, pour OKC, hein. Et pour Melo aussi. Parce que contrairement à ce qu'on va nous dire dans les analyses, Doug McDermott, voilà, c'est le nom que je cherchais. C'est Doug McDermott, voilà. Et Enes Kanter qui rejoignent les Knicks. Excuse-moi, le Dr. Douglas, je précisais ça. Oui, effectivement. En plus, ils ont gardé Robertson, leur défenseur, contrairement à ce que les Clippers avaient pu faire pour... ou bien que d'autres équipes comme Boston a dû laisser parler les défenseurs ou je sais pas qui d'autre. Donc, non, Houston plutôt. Houston qui a laissé partir un défenseur. Donc, pour moi, c'est sur le papier intéressant. Après, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Tous en récompense individuelle, ils en ont déjà. Et même collective, hein. Tous, ils ont des JO ou bien des championnats du monde dans la poche. Tous, ils ont, à part le titre de MVP ou Russ et Sun, mais les titres de meilleur marqueur, Melo en a déjà eu. Donc, maintenant, il leur reste juste le titre. Donc, ils ont toutes les raisons du monde de s'entendre, surtout en play-off, pour aller chercher ce qu'ils veulent. Alors, j'ai une question pour toi. Tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu es certain, quand tu vois la conférence, est-ce qu'on a écouté Rudy Gay tout à l'heure, Rudy Gay qui compare la conférence Ouest à cette ligue de catch, la WCW. Est-ce que tu penses que les Warriors ont une garantie 100% d'arriver en finale? Le Doc? Est-ce que le Doc m'entend? Allô? Allô? Est-ce que le Doc m'entend? Alors peut-être un souci avec le Doc qui a été coupé. Missy, le Doc qui a un petit souci avec sa connexion, on va le rattraper tout à l'heure. Vas-y, comment tu réagis à ce trade et après essaye de répondre à la question. Est-ce que tu vois les Warriors arriver en finale à 100%? Est-ce que c'est une garantie déjà, finale avec tout ce qui se passe? Déjà par rapport. C'est bon? On entend. Alors, Missy, laisse-le le doc terminer, après tu enchaînes, Missy, hein, puisqu'on entend. Le doc? Hein? Le doc? Oui, je posais la question. Est-ce que tu vois les Warriors avec une garantie, 100% de garantie pour une finale, une nouvelle finale NBA? Avec ce qui se passe à l'Ouest? Il n'y a pas de garantie. Même l'année dernière, on a ce flou des Warriors sur les blessés, sur chaque étape. Et on a ce flou où je le disais encore pendant les playoffs, Phil, que pour moi, rappelle-toi quand Cleveland de l'autre côté sweepait, mais les Warriors sweepaient, pour moi, il y avait le flou sur la puissance des Warriors. Mais je savais qu'ils étaient au-dessus de Cleveland. Oui. Mais il y avait le flou parce qu'il y a eu des blessés à tous les étages. Nurkic, peut-être Nurkic, Portland prend un match. Avec Gobert, peut-être que Utah prend un match, ils perdent Gobert. Et même deux joueurs, chacun perdait deux joueurs. Les Spurs, j'en parle même pas. Donc, on savait déjà qu'il y a une bataille. Sur le papier, à l'Ouest, il y a une bataille. On ne peut rien dire. Maintenant, ça se rajoute. Et être premier, ça va être le pesant d'or, voire le deuxième. Mais maintenant, le problème, c'est que le troisième et quatrième sera tellement fort sur le papier que des game 7, tu risques d'en avoir. Avoir un game 7, c'est la fatigue. C'est te fatiguer pour le tour suivant. Oui. Tu rejoues encore une équipe dure. Où t'es pas à l'abri d'une mauvaise performance. Hein. Tu sais, en playoff, tu perds deux matchs à domicile ou bien tu perds deux matchs consécutifs. Le plus dur, c'est de perdre deux matchs consécutifs. T'as deux matchs d'écart. Hein. Donc, on sait pas, ça se joue. Les Warriors n'ont pas de garantie pour moi. Ils restent par rapport à leur vécu ensemble. Parce que c'est une aventure qui commence depuis 2011 environ, voire après les drafts qu'ils ont suivis après Curry. Et tout le reste depuis 2012, donc plus maintenant Kevin Durant. Donc c'est une équipe qui s'est forgée depuis, c'est pour ça qu'ils restent favoris. Mais les Spurs ont stabilisé. Pour moi, les Spurs deviennent moins forts que OKC et Houston. Je sais pas pourquoi. Je les trouve moins renforcés. Par contre, Houston, c'est du solide. Ça reste du lourd. Là, OKC. Les gens n'imaginent pas Westbrook tout seul avec quand même réussi à amener en playoff. Il a deux armes de destruction massive à côté de lui. Le seul truc que je me demande, c'est que ces deux gens qui ont flanché en playoff à l'Est là-bas.
là, ils arrivent vraiment dans le Far West où j'espère qu'ils vont s'exprimer. J'espère que Westbrook n'aura pas à être trop leader pour les pousser et dire ici, ça se passe comme ça. Mmh. Ils jouent. Ils ont la chance d'être dans une division encore abordable. Ils ne sont pas dans la Southwest Division où Houston va se trouver et va bagarrer peut-être plus. Donc, les Warriors, donc, pour moi, les Warriors, pour moi, n'ont qu'une garantie. Ils sont favoris, mais sans garantie. Sans garantie. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Missy, vas-y, réagis, Missy, s'il te plaît, sur ce tas de... comment est-ce que la balle, ça va tourner, là? Il y a trois bouffeurs de ballon. Il était déjà temps par rapport à, sans même montrer comment il va fonctionner. C'est temps que les Knicks tournent la page Carmelo. Oui. Fin à cette histoire. Oui. Enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien. C'est bien pour les Knicks. Ça reste que malgré tout une aventure. Raté pour lui et pour les Knicks collectivement. Ouais. Il était quand même arrivé aux Knicks, avait suscité beaucoup d'espoir. Comme toujours, quand vous avez Carmelo Anthony dans votre équipe, vous suscitez l'espoir. Même maintenant, quand vous avez un très bon joueur, c'est l'environnement qui compte. L'année dernière, on se disait il faut pas qu'il se rate, Kevin Durant. Oui. Mais quand il allait aux Warriors, on était presque sûr qu'il est en capacité d'avoir le titre. Oui. Cette histoire du Thunder là, dont on explique aujourd'hui, renforcée par Paul George, renforcée par Carmelo Anthony, ça prend du temps pour étudier le jeu et être vraiment optimum. Ils n'ont pas l'intention de s'endormir. Je crois encore plus que tout, Damon Green a dit, les Warriors veulent faire le back-to-back. Il y a très peu d'équipes qui l'ont fait. Les Warriors veulent être parmi ces équipes. Et puis, ils ont retenu les leçons du passé. Et aujourd'hui, ils incorporent les gens petit à petit. Ils ont même redit, par exemple, à la conférence de presse, pourquoi ils ont choisi Nick Young. Ils l'ont pas choisi à cause de son tir à trois points. Ils l'ont choisi à cause de sa défense. Vous voyez comme quoi. Oui, effectivement. Ce que nous on pense et ce qu'ils voient. Ouais. Pour OKC, il faut faire plus que voir. Ouais. Sachant que les trois des derniers meilleurs. Joueur des dernières années de cette ligue, Westbrook, Durant, Harden, les trois étaient à OKC. C'est vrai. Au même moment, faut pas qu'on oublie que en 2012, ils ont été tout proches du titre. C'est vrai. Quand c'est ils éliminent magnifiquement bien les Spurs, ils battent les Spurs, je crois 4-2. Tout le monde se dit ça va être compliqué pour Miami. Donc, je crois c'est eux qui gagnent le premier match, je crois. Vas-y, enchaîne rapidement. Donc pour la suite, ce qui est compliqué pour eux, c'est de jouer ensemble. Ils n'ont pas ces automatismes. La méthode des Warriors, qui est celle d'être la bonne aujourd'hui, c'est d'incorporer les gens petit à petit, de trouver comment les gens peuvent jouer ensemble. Ouais. Et ça ne va pas de soi, c'est tout le monde. Quand on rajoute Kevin Durant, c'est pour lui dire t'es déjà bon. Dans ci, dans ça, ben on veut que tu sois un peu plus défensif, que tu prennes des contres, que tu t'exprimes dans les domaines où tu es moins bon. Mais après, ça aussi, c'est le coaching. C'est donc maintenant, ça va pas simplement être un problème de eux s'ils peuvent jouer. Ça va être une question de coaching qui est posée à Billy Donovan. L'utilisation, lui, des trois. Sachant que Billy Donovan était quand même un très très grand coach NCAA, puisqu'il a fait ce fameux doublé avec les Gators et les Noah et autres.
qu'ils ont gagné deux années de suite. Donc on peut dire qu'on va leur laisser. Il leur faut du temps, quoi. C'est ce que tu veux dire. On peut dire qu'il leur faut du temps. Mais tu sais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu sais qu'ils ont qu'un an. Ils ont qu'un an après. OKC peut tout perdre. Ils peuvent tout perdre. Ils vont perdre quand même pas mal. Parce que en un an, qu'est-ce qu'il y a, ce qu'il faut dire. Celui qui dit, eh ben Russell Westbrook, ça on va peut-être en reparler. Mais il n'a pas encore procédé à sa re-signature. Ils font des pieds et des mains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut. Mais je voulais juste te dire que c'est pour ça qu'il entoure au maximum pour essayer de le motiver à signer. Quand on dit que LeBron James peut partir ailleurs l'année prochaine, ouais. Westbrook est exactement dans le même cas. C'est vrai. On ne sait pas ce qu'il va décider. Souvenez-vous de Kevin Durant. Il disait pas qu'il allait quitter OKC. Non, Westbrook, c'est exactement dans le même cas. C'est le flou artistique. Il va falloir que ça soit un peu clarifié. Ouais. Parce que trois coéquipiers qui jouent ensemble, une équipe dont si vous savez pas s'ils vont être là, s'ils sont sûrs de pas être là l'année prochaine, ils vont peut-être pas mettre la même intensité. C'est un pari, c'est vraiment un pari de la part de Sam Presti. Un pari très risqué. Parce que quand vous avez trois joueurs de ce calibre, et que vous vous dites dans un an, il ne va rester peut-être aucun. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. On attend. Avait-il le choix maintenant? La ligue est pauvre, on l'a toujours dit. C'est pas une ligue où tu as le choix, tu prends qui tu veux. Il était en début d'été, Sam Presti, juste avant le transfert de Paul George. Ouais. Je m'apprêtais à mettre un statut pour dire pendant ce temps, Sam Presti continue à gâter cette franchise depuis la perte de tous ses éléments. On a parlé de Harden, tout le rang, je pense. Mais là, il a réussi à faire un transfert de Paul George. Je me suis dit, bon, il a agi. Parce que Westbrook, on se demandait, Russell va-t-il rester? Parce que s'il reste esselé avec tous ces canters qui ne font que parler juste dans les journaux, on lui a ramené Paul George. Là, maintenant, c'est que canter et McDermott. Melo vaut quand même plus que ça. Maintenant, est-ce que ça te fait gagner? Ce que je veux dire, c'est qu'il a essayé. Pardon? Le facteur, lui, veut partir, Armand. N'oublie pas ses facteurs. Melo veut partir. Melo n'a pas l'intention. Melo est là pour le tout qui va l'offre. Donc, Melo voulait un bel art. Quelque chose qui doit le faire partir de là, en fait. Le problème de Melo, c'était d'abord de quitter. Parce que maintenant, là, Melo n'est pas dans l'option de partir, rester au Kessie pour 5 ans. Melo dans l'option de quitter pour aller dans l'équipe où il veut partir plus tard. Mais le seul moyen de racheter son contrat, c'est de mettre les compromis. Même s'il voulait prendre le player option out, il fallait une équipe qui doit le permettre de balancer ce qu'il doit balancer avec New York pour quitter. Parce que New York ne pouvait pas laisser son meilleur joueur partir sans avoir une contrepartie. Sans rien. Aujourd'hui, Melo part dans la situation où il se trouve à l'équipe qui l'offre, qui donne un peu, non? Oui. Pas du côté d'Amel, là, parce qu'il a ses raisons là-bas. Mais une chose est en sus, c'est pour ça qu'il a mis Cleveland dans la démarche. N'oublions pas qu'il a mis Cleveland. Il a élargi sa liste, oui. Avec Cleveland. En fait, il sait que l'année prochaine, après qu'il va finir sa saison, il peut me négocier pour aller voir si Pitu reste du côté de Houston ou aller voir LeBron James qui tient sa barre. Chose est en sus, Melo ne va pas finir la NBA sans avoir une barre. Ah, tu y crois maintenant qu'il pourrait l'avoir sa bague En fait, il faut comprendre un truc aussi. C'est que moi, je mets à la place de Sam Presti. L'année prochaine, de toute façon, il allait perdre Russell Westbrook. Ouais. Il allait le perdre s'il ne faisait rien. Parce qu'on a beau dire la fidélité, machin truc, Russell allait avoir une proposition lourde n'importe où. Même Paul George ne vient pas là pour rester, hein. Sauf vraiment surprise. Paul George, lui, il voulait être le remplaçant de Los Angeles. Il va aller à Los Angeles. Lui, il n'avait pas de problème avec ça. Donc, je veux dire, Sam Presti se retrouve avec une équipe qui doit amener en finale de conférence. On va pas lui en vouloir s'il est éliminé, hein, par les Warriors ou je sais pas quoi. Là, il a l'obligation, mais c'est eux-mêmes, de toute façon, il y a trois joueurs qui veulent le titre, c'est à eux. Franchement, un GM qui les réunit comme ça,
cette année, c'est les plus gros coups. C'était un truc inimaginable il y a encore 2 mois. Maintenant, chacun d'eux, il peut regarder, il aurait joué avec mieux que ça. À part Paul George aux Warriors contre Klay Thompson, il n'y aurait pas eu mieux. Il n'y aurait pas eu mieux, mais là, il se retrouve à 3. Je vois pas ce qu'on peut leur offrir pour l'instant. Hein, j'ai dit à l'instant, si, en attendant l'année prochaine, c'est à eux. Soit ils merdent, et eux tous là, personne ne voudra vraiment d'eux à leur valeur. Soit ils vont loin, ils prouvent leur valeur, et l'année prochaine, c'est le jack. C'est, de toute façon, en NBA, tu es jugé sur ce que tu as fait l'année là. On te juge plus sur ce que tu as fait il y a 10 ans. Hein. Oui. On te juge sur ce que tu as fait l'année. C'est ce que même de Marcus Cousins qui inquiète. Alors, justement, par rapport à leur relation. Justement, attendez un peu. Après, Missy enchaîne. Je voulais donner la déclaration de Melo par rapport à leur relation à tous les trois. Paul George qui a dit que dans les médias dernièrement, il y a quelques heures, il a dit Russell Westbrook et Carmelo Anthony sont liés depuis plus longtemps que Carmelo Anthony et moi. Ils ont évolué ensemble pour Team USA et moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe avec Carmelo Anthony. J'avais dit et eux aussi combien nous voulions jouer ensemble et quand on a su qu'il y avait une opportunité cet été et en sachant que Melo voulait abandonner sa clause, nous nous sommes appelés et Melo nous a dit qu'il aimerait nous rejoindre et faire partie de ce que nous créons ici à Oklahoma City. Non, on va faire la déclaration de Paul George. Missy, vas-y, enchaîne. Missy. Non, ce qui est problématique dans tout ça, pour OKC, c'est bien de faire le coup de moment. Oui. C'est quand même une franchise qui cherche quand même le titre. Oui. Maintenant, ce qui est là maintenant, quitte à ce qui est de jouer tous les trois, c'est pas un problème, ils peuvent tourner, mais surtout que les deux derniers, Russell Westbrook était déjà dans cette conférence, donc il sortira, il sait comment marchent les choses, même si l'année dernière il n'a pas gagné de match face à Kevin Durant et les Warriors. C'est quand même quelqu'un qui sait comment fonctionnent les choses de cette ligue. Maintenant, quant aux deux autres, ils sont venus se rajouter dans une conférence qui est déjà saturée avec les très très bons joueurs. Parce que ces joueurs-là, quand ils vont voir les Kawhi Leonard défensivement bons, qui vont cadenasser tout, il va falloir jouer. Et quand tu vois les joueurs comme Kawhi Leonard qui défendent sur toi, c'est problématique. C'est pas, ils n'ont pas les habitudes. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'Ouest est beaucoup trop concurrentiel. D'ailleurs, pour les playoffs, je ne sais même pas comment on va désigner les gens. Parce que ça paraît compliqué aujourd'hui. Et là où maintenant, c'est toujours, c'est quand vous avez quelqu'un de dominant, les Celtics l'ont été pendant des années, les Lakers l'ont été pendant des années, Détroit pendant quelques années, ça provoque toujours la course à l'armement, parce que lorsqu'une équipe est dominante, ça provoque course à l'armement, mais la course à l'armement, on oublie toujours d'analyser pourquoi cette équipe est dominante. On oublie toujours de faire cette analyse. Eh ben, les Warriors, ils sont déjà, les Warriors sont beaucoup plus solides déjà mentalement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ils ont ils ont pensé comment les, ils sont, pendant que les gens sont en train de penser comment eux ils vont jouer, les Warriors sont en train de penser quelles sont les petites améliorations qui peuvent être apportées au jeu. Donc ils ont déjà, comme on dit, hein, comme dit Bouba parfois, la France a 10 ans de retard sur les États-Unis, les gens ils ont quelques années de retard déjà sur les Warriors. C'est un fossé qui va pas se combler tant que les Warriors actuels sont là comme ils sont, et vu ce qu'ils font depuis plus de 3 saisons. Ça va être compliqué. Il faut, ça va être très compliqué. Toujours un truc. Dans le bal, dans tous les sports, il y a toujours une équipe dominante. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, faut attendre que elle décline ou s'en aille et qu'un cycle se termine.
Malheureusement, le cycle des Warriors n'est pas terminé. Effectivement, ouais, ce n'est pas encore terminé. Vas-y, le doc. Je veux savoir, mais qui sait ce que Kevin Durant va décider? Parce que tout cela, pour l'instant, ils acceptent de faire des sacrifices. Et au cas où ils gagnent, là, je pense qu'il est libéré de partir, je sais pas où. On ne sait pas. Après, ça peut être une dynastie. Ça gagne plus, ça change. Mais même quand ça gagne encore, j'ai même peur que, parce que c'est pas, c'est des gens qui quittent en mercenaires pour aller une bague. Ce sont pas des gens qui, à un moment donné, doivent quelque chose à cette franchise. Tu peux pas compter sur eux. Ce que tu veux dire. Tu peux pas compter sur eux. C'est-à-dire que il va gagner là, peut-être. Mais, on sait pas quelle est sa prévision. Quelqu'un qui se dit, j'ai deux bagues. Il est déjà libre d'aller chercher là où il sera peut-être heureux. À ce qui paraît, il l'a pas fait par amour des Warriors, mais par nécessité. Il a senti le coup. Sa bague. Mais il a senti le coup. Mais c'est aussi le coach des Warriors et la franchise des Warriors d'avoir des mots. Vas-y, va conclure. Après, on va écouter Mopo aussi. Tu as vu aussi un truc dont j'ai parlé. La plus grosse monnaie, c'est Klay Thompson. C'est vrai. NBA actuellement, mais tout le monde s'attend et on y parlait parce qu'en courant la saison, Klay Thompson avait refusé une prolongation bizarre. Peut-être qu'il attend un truc. Klay Thompson peut décider, j'ai trois bagues la saison prochaine ou bien peut-être deux déjà, il en a. Et de se dire, les gars, je sens que je peux être aussi de man. Il peut faire une interview, Hervé, et dit, je veux bouger. Ça, c'est très probable. Et il faut s'attendre même à ça. Mais c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils ont ça comme monnaie, mais s'il n'a pas re-signé. À un moment donné, tu te retrouves face à ce dilemme. Tu perds clé, qu'est-ce que tu fais? Et clé par l'autre va aussi dire, ah, c'est comment ça va se passer? Tout est possible, dans tout cette est possible. Mopo, comment tu réagis par rapport à tout ce que tu as entendu? Et après, on va clôturer le show. Ah, mais les avis sont. Ouais, il n'y a pas de réaction fixe. Hein, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, donc, je suis en 50-50. Tu espères le meilleur pour Casey, c'est ça? Ouais, c'est tout, parce qu'à la fin de la journée, il n'y a pas de, comme Amar a précisé, il n'y a pas de plus-value, de moins-value, mais le plus beau, c'est comme je disais tantôt, il fallait qu'il dégage, la situation s'est trouvée, aujourd'hui, le boss a pris la décision en fonction qu'il s'est dit qu'il y a un gars qui doit sûrement partir aller. Donc, tu vois, c'est le business, en fait. Ouais. Un peu, non? En tout cas, Ines Kent, qui est un gars qui est loyal à la team, avec un McDermott, tu vois un peu, non? Des gars qui sont des gars loyaux, des gars qui ont dit que nous sommes là. On ne va pas trade, on ne va pas être des Judas, mais aujourd'hui, si le boss a pris la décision, c'est parce qu'il s'est dit, gars, je regarde le futur, mais on sait, Melo ne va pas rester là-bas. C'est longtemps, tu vois un peu, non? Parce que Melo cherche la barre, il ne sait pas, ok, c'est qui va gagner la barre. Il ne faut pas se partir. Parce que, ok, si n'a pas un titre, n'oublions pas, ce n'est pas le même Melo, ce n'est pas le même Paul George. Donc, quelque part, ce n'est pas trop ça. C'est ça que j'ai dit que c'est 50-50%. Hein. Les opinions pourront être mitigées à 100%, mais quelque chose en su. La manière de la plus-value, de la moins-value sur l'impact des joueurs dans tous les sens, ce n'est qu'un truc futuriste qu'on ne connaît pas. Mais le Paris se blesse, pour joueur se blesse. On ne sait pas ce qui se passe. L'équipe, tu vois un peu, non? Oui, donc, c'est incroyable qu'il y ait des incertitudes. Oui. On attend jusqu'à octobre. Hein, puisque, on attend de voir comment ça va se passer. En tout cas, ça va être une saison extraordinaire que l'on va vivre. C'est une saison extraordinaire que l'on va vivre. On attend ça de pied ferme sur le parquet de la Radio Off. On arrive à la fin de ce talk show, les amis. Encore une très, très belle soirée à parler de NBA et de WNBA. On le rappelle avec la première victoire des Sparks pour ce match 1 dans cette finale de WNBA. On rappelle le match 2 qui se déroulera le 26 septembre, à ne pas manquer la revanche des Lynx du Minnesota qui en auront beaucoup appris sur ce Game 1. Surtout qu'il va falloir qu'elle démarre le match. Qu'elle démarre le match pied au plancher. De manière aussi catastrophique qu'elle démarre pied au plancher. Voilà. Oh, Carmelo Anthony, on est en train de voir arriver là à Oklahoma City. C'est les images qui passent en direct là. Carmelo Anthony qui vient d'arriver. On aura beaucoup de choses à dire sur cette équipe des OKC de Oklahoma City Thunder. On vous en reparlera dans nos prochaines éditions. Ce sera donc mardi pour le The Big NBA Show. The Big NBA Show avec le doc ONP, Missy ici présent. Et bien entendu, Pierre Guam, AKA Mopo. On va avoir une belle soirée dès mardi prochain.
avec vous, bien entendu, sur le parquet de la radio. On va remercier Missy d'avoir été avec nous. Merci, ça nous a fait très très plaisir. Encore une belle soirée ensemble, oui, merci, sur le parquet. Merci à toi. Belle soirée, beaucoup de choses encore à venir. Eh oui. On est encore dans les préparatifs. Eh oui. Vous pouvez écouter également tous les prévus qui sont faits actuellement sur les équipes. Bien sûr. Pour présenter chacune des équipes, les points forts, les faiblesses. C'est toujours bien. Maintenant, on fait ça en direct. Dans le temps, il y avait tous les guides qui sortaient, notamment la NBA. Il y a plein de guides pour dire la saison, la nouvelle saison, saison à venir. Quels sont les points forts, les points faibles. Aujourd'hui, ça se fait plus par Internet, moins dans les livres. Voilà, Radio Love Fame. On reste connecté. Restez surtout très connecté. Restez connecté. Et merci, merci à toi, Missy. Donc, on se dit à mardi, hein, pour le Big NBA Show. Missy qui sera de retour mardi prochain. Le Doc NP. On va se dire à mardi avec, on dit mardi à nos fans pour le Big NBA Show. Le Doc. Mardi. On va les laisser acter. Bon soin, on vous rappelle le Doc NP, DJ officiel Radio All Fame Basket. On va vous laisser au bon soin du Doc avec ses mix dont il a le secret. Mopo. Mopo, on se dit à mardi à nos auditeurs pour le Big NBA Show. Comme d'hab, qu'on est peu, 100%. Eh oui. Donc, merci à tous d'avoir été connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Merci Mopo, merci Missy, merci le Doc. On vous laisse au bon soin, je l'ai dit tout à l'heure, du Doc ONP, le DJ officiel Radio All of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA, les amis. Ciao, ciao les gars. Ciao Missy, ciao Mopo. Ciao le Doc. Ciao les amis. Ciao. Bye. Number one DJ, you better know that. 11 o'clock, 12 o'clock, the party about the pop, party about the pop, about the pop, yeah, the party about the pop, yeah, the party about the pop, about the pop, yeah, the party about the pop, about the pop, yeah, the party about the pop, about the pop, yeah, the party about the pop, about the pop, yeah, the party about the pop, about the pop. Yeah, the party about the pop, pop. Yeah. 5 boroughs of death, you don't understand. Yeah. I still got New York in the palm of my hand. Yeah. The party about the pop, the party about the pop. Yeah. Fuck Patron, I want some women on the rocks. Yeah. I know you haters don't like this. Told y'all I'm the nicest. My swag is priceless. My mentality is righteous. Yeah. This bottle of champagne, yep. The DJ spinning heat, yep. I got a bad chick sheet, yep. Her jeans so tight, they yep. The homies in the building, they yep. I even got the waitress, yep. That new pep record, bucket nigga. Let my tape rock.
into Marilyn, calling me audibly, bawling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's just a girl and she's just a girl and she's just a girl. She's just a girl and she's on fire. Number one DJ, you better know that. Hotter than a fantasy, only like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly. Smiddle. Say I got swag, probably won't say ditto. Cause I am the only one, they call me the holy one. I ain't tryna force you, but you calling me Obi-Wan. So get the bonus, I'm looking for a hot one. Talking about a boyfriend, hope that you ain't got one. Even if you do, you can make it work though. Girl, I'm not a jerk, I just wanna see you twerk. Oh, jeez, so back it out till you feel my hands touching you. Girl, I'm tryna kick it, no, I'm not in love with you. Hit for one night, so let's go get in some trouble. So I'll go handle the bill and you could be Mrs. Huxtable. Ooh, your body looking like a soda bottle. Said you wanna go to Germany, let's go tomorrow. Cause you certainly looking like the hottest model when you in that dress. Oh yes, your lord, that's the motto. Oh, I'm usually scared of some long term. Mess it up as soon as I say the wrong words. What doesn't kill me is probably gonna make me stronger. I'm a workaholic, oh that's why you call me Anders. Bring the guitar in, they're bringing the star in. We're waiting at ballet, they're bringing my car in. We're making a Maybach movie and it's starring me and my clique. We're kicking it like a sidekick. Bonus, cause I'm sidekick. Bonus, cause I'm sidekick. Bonus, cause I'm sidekick. Now she grinning. In the black car and it's ball no ceiling. In the black car and it's ball no ceiling. Money stacked tall to the ceiling. Say my music sucks, but your girl I'm stealing. Beat it up from the front, then I flip to a booty. She hella dark skin like her last name Hershey. Hershey thirsty, she's so thirsty. Slurped up the team and she still be lurking. Her friend cute though, baby can you work it? Keep the lights on, don't post the curtain. Drop it, 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 drop it. How to come through with seven coats of the gloss. Show you how to be the man. Show you how to be the man. Show you how to be the man. How to be the boss. How to buy the car. How to buy the house. Show you how to be the man. Show you how to be the man. Yeah, back in eighth grade, right? Banana Berry Rip. Teacher wanna tell me be realistic. What? That bitch try to tell me be realistic. Six. I pull a 5 years later in a drop top six. What a Scotch twist, cheese checking and lipstick. Might be in the movie with Barry Sanders. Might be Adam Sandler and my cup is Pink Panther. High school, I was on the news. Fist full of jewels, looks like a swimming pool. Aqua shock start, going to dark sharks. Mark my words, I don't need acceptance. I'm catching interceptions on you innocent pedestrians. Suckers keep on flexing, I'm bringing out the rice. Jody shaking dice, watching my Miami Vice. Serve in my slice, like ass is a given. Now I'm the man, but I'm calling like a kitten. Teach you how to be the man. How to be the boss. How to come through with seven coats to the gloss. Show you how to be the man. You want a man, bitch, like this. How to be the man.
Basketball, c'est les mieux à la radio.